Ordinateur. Yes, thank you, miss. Si. Ouais. Ah, ça te prévient quand même, hein? 35 personnes qui regardent, c'est bon, ça. Moi, quand j'enregistre, je préviens personne. Philippe Royer. J'aime bien parce que quand on fait des lives comme ça, il y a même Shelly. Hello, Shelly Carter. Il y a même des. Je vois des pseudos qui se pointent. Je me dis, bah tiens, c'est suivi le récit finalement. 37. Ah, tiens, je vais liker. Alain Commissaire. Salut, salut, Salut. salut. Quand on est à 40, on attaque. 42. Wouh! Bon, alors bonsoir, monsieur, dame. On fait une nouvelle présentation de bac. Ce soir, on va vous présenter le bac de Laurent, qui est en bas à gauche. Enfin, chez moi, je ne sais pas chez vous s'il est en bas à gauche. Ah non, chez vous, il est en bas à droite. En bas à Pourquoi gauche. en bas à gauche aussi? Pourquoi? Parce que quand j'ai eu l'occasion d'aller chez lui, parce qu'il m'a gentiment fait un truc pour mon aquarium, et j'ai été ébouriffé par son bac, comme j'avais été ébouriffé par le bac de Yaya. Notamment le design, la finition du meuble et tout ça, je me suis dit, lui, faut qu'on le montre au peuple. Donc on y est. Laurent, Ouais. merci d'avoir accepté de nous présenter ton magnifique travail sur le groupe. Tu lances ta présentation quand tu veux, ou alors si tu veux, tu te présentes un petit peu avant. Tu fais du récifal depuis combien de temps? Vraiment, ça va faire 2 ans. J'en avais fait avant, il y a 15-20 ans, à l'époque des HQI, il n'y avait même pas de LED. Ouais. Je fais beaucoup d'aquariophilie depuis 35 ans, mais j'avais fait 2-3 marins qui ne sont jamais bien terminés parce que j'étais pas assez sérieux, je pense. Ouais. Et là, ça m'a repris il y a 2 ans. Voilà. D'accord. Non, non, Laurent, il se cache pas, mais il a mis un filtre orange sur sa caméra pour que le bac derrière apparaisse bien, sans le filtre Là, ça peut pas orange. jouer là. Voilà. Sans le filtre orange, ça fait tout bleu derrière, ça fait ovni, ça fait pas bac récifal. Donc, tu as commencé il y a 2 ans et t'as pas attaqué d'emblée avec le mètre cube, hein, il me semble. Tu avais attaqué avec un autre bac. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu veux que je lance la diapo, on verra mieux, non? Yes, sir. Bah, avant de lancer la diapo, moi j'avais une question au niveau de la pousse. Comment tu fais pour avoir une pousse de cheveux aussi importante? Ça les accros, ça. C'est la Ah, punaise. lumière. Va falloir que tu me briefes, hein. Moi ça marche pas. C'est le Ben ouais, phyto. mais tu mets pas les bons trucs. C'est mon C'est baling, il est le meilleur. phyto dans le shampoing. Ouais, il y a un truc que je dois pas bien faire. Ouais, Allez. tiens, à propos de ça, il y a Sarah Vigotte, là, comme d'habitude, qui a dit c'est pas Yaya qui serait ébouriffé. Ouais, j'ai vu, c'est un enfoiré. Voilà. Thibaut. Ouais, mais Thibaut il a trop de lumière, ça crame avec la lumière derrière. a Ouais, il y a toujours trop d'hydra. le mot Trop de qu'il faut. part. Ouais. Bah, tu lances ta presse quand tu veux, hein. Alors, on y va. On y va? Allez, Après, go. pour expliquer aux gens, vite fait, tu montes des bacs toi-même, on est d'accord, et que tu as fait beaucoup de Est-ce que bacs le d'eau partage, douce. il marche déjà là? Parfait, Ouais, c'est parfait. oui, nickel. Alors, qu'est-ce que tu disais quoi, Romain? Oui, tu as fait beaucoup de bacs toi-même, on est d'accord, en aquarium d'eau douce et en Ouais, paludarium, bah, j'en ai des fait. choses comme ça, quoi. Ouais, j'ai dû faire entre 15 et 20 bacs, à peu près, ouais. Voilà. Et maintenant, dans la pièce de l'aquarium, il y a ton bac à discus. Hein, c'est ça, tu avais des discus qui te servent de serre tropicale, hein, c'est ça? Où Ouais, bah je tu as peux plein de vous. plantes. J'ai des photos là, après je te Voilà. montrerai Ouais, si tu veux. ouais, ouais, ouais. Ouais. Allez, on les passe. on Allez, y go. va, le mètre cube. Alors, est-ce que ça marche? Ouais. Yes. Ah, bah voilà. Voilà. Donc, oui, donc ça fait 35 ans. J'ai fait 2 bacs marins il y a bah, 24 ans, je vois, j'ai compté exactement. Et plus de 15 bacs d'eau douce, spécialement des bacs très plantés, pour ceux qui connaissent, type Takashi Amano. Tout au début où on injectait du CO2, tout au début avec on mettait même du Perrier dans les bacs. Et j'ai dû acheter une fois un bac tout fait, un 600 litres, je crois, un 2,50 m par 60. Sinon, toujours, c'est toujours moi qui ai dessiné. Alors, j'en ai collé, mais pas tous. Et dessiné, imaginé mes bacs. Ça n'a jamais été des bacs un peu standard, quoi. Mais de par ta formation professionnelle, t'es apte à.
Enfin, t'as le compas dans l'œil, quoi. Je veux dire, tu sais ce. Tu... Ouais, puis je m'occupe de fabrication dans l'industrie, donc ouais, j'ai des bons contacts et je sais tout, enfin je sais, c'est pas moi qui fais tout, mais je sais tout où aller pour faire les choses en PVC, en verre, en plexi, en ce qu'on veut, quoi. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Alexandre. Au départ, tu avais envisagé éventuellement de le faire en solide surface, ton truc, ton Ouais, métier. parce qu'en fait, moi, je m'occupe d'une menuiserie, donc le solide surface, tout ce qui est coriant, crayon, on sait le travailler. Et ouais, j'avais eu Alexandre qui m'avait bien aiguillé. Et puis au final, j'ai fait finalement tout en verre collé. D'ailleurs, c'est Calvados Aquarium qui m'a collé la cuve. Sinon, tous mes autres cuves ont été faites par Guibert, Bruno. Ouais, qu'on a eu en entretien sur le récif d'ailleurs. Voilà. Mais le prochain sera en solide surface. J'ai déjà une idée là. Voilà. Ah, il sera plus gros? Non, il sera plus petit. Enfin, Ah. différent. Enfin, j'ai une idée tous les jours. Donc, mais oui, il sera différent en tout cas. En Mais remplacement de celui-là ou en celui-là, je le plus? conserve. Non, celui-là, je le conserve. Ouais, Ah, il démarre tout juste, donc je le conserve. d'accord. Et en Là, fait, Laurent, t'as combien de bacs en eau du coup? J'ai que celui-là avec le petit bac en dessous, la bouture que j'ai mis, enfin la bouture essai que j'ai mis en route il y a 15 jours, hein, c'est tout. Mais t'as pas d'eau douce en plus qui tourne? Non, j'ai plus d'eau douce, T'as je te plus d'eau verrai. douce, ok. J'ai plus d'eau douce, c'est fini. Ouais. Et donc il y a 2 ans, en rentrant de vacances, je me dis, tiens, je ferais bien un nœud de mer, je regarde sur le bon coin et il y a un gars qui est, je me rappelle plus son prénom, super sympa à côté de Lille, qui a arrêté son Red Sea. Et j'ai été le chercher avec des bidons, j'ai acheté des bidons, j'ai été le chercher et je l'ai remis en route chez moi. Par chance, ça a super bien démarré, nickel. Aucune casse, rien. Et du coup, j'ai tout de suite envie de me faire un plus gros bac. Donc j'ai fait un bac de 500 litres, celui que vous avez déjà vu, je pense. Carré, 1 mètre, 1 mètre par 50. Et entre-temps, il y avait un autre gars sur. Bah, je crois que c'était sur le. Je sais pas si c'est le récif ou je sais plus où. Enfin bon, bref, sur Facebook, c'était Ludovic qui vendait son bac du vivant et des roches vivantes à Paris. J'ai été chez lui, j'ai fait tourner ma décante reliée aux 170 litres pour un peu pour tout se mettre en place. Et pendant ce temps-là, je fabriquais mon 500 litres et j'ai tout mis dedans. Et ensuite, est arrivé mon install avec mes 1000, il y a 1200 litres effectifs qui tournent en fait. Voilà. Ah, je vais vous montrer mes autres bacs. Ouais. Ça va être celui du milieu dont tu parlais. C'était Ouais, celui-là où tout à plus. fait, tout à fait. Ouais. On le voit en Bon, bas à droite. ça, c'est les anciens bacs, là, à gauche. Et ça, c'est dans mon ancienne maison. C'était un bac qui faisait 3,20 m de long, celui-là, là, avec les discus, que j'avais aussi dessiné et fabriqué. Celui-là, c'est un bac en eau douce qui était il y a 20 ans, avec des HQI qui étaient là-haut, là. Et c'est pareil, ça c'était un bac que j'avais collé moi en 19 mm. Merde. En 19 mm, il faisait 70 de haut sur 1,20 m par 1,20 m, je crois. Ouais, toujours des gros Sans volumes, hein. renfort. Ça, c'est le bac qui avait ce que tu as vu chez moi, mais qui est maintenant en talus, comme ici, là. Voilà. Franchement, Laurent, l'intégration est super bien réussie. On dirait des photos dans un showroom Et pour c'est ce que je enfin te dis. des photos de Franchement, professionnels, c'est vraiment magnifique. quand je suis allé chez lui, il y a le bac, mais toute la pièce, mais tu as l'impression de. Mais c'est magnifique, quoi. C'est fait avec goût, c'est vraiment sublime son truc, sublime, vraiment sublime. Bah tiens, on voit les raies là, il y a une raie là, je sais pas si on la voit à l'image. Si, on la voit, ouais. Ouais. Il y avait des raies. Voilà, et en fait, maintenant c'est un palu comme ça. Alors là, c'est une ancienne photo, ça a beaucoup poussé, hein. C'est beaucoup plus fort et vierge dedans. Ouais, Ça, ouais, ouais. c'est. Ça tourne tout seul, l'avantage, c'est que ça tourne tout seul. Il n'y a rien de faire, quoi. Ouais. Vraiment magnifique. Voilà. Après, je vais vous montrer les anciens bacs. Donc, celui-ci, là, c'était le 170 litres que j'avais été chercher à Lille, là, enfin, à côté de Lille. Je suis désolé, j'ai oublié son prénom. Ça se trouve, il regarde ce soir. Mais bon, super sympa, on a sympathisé. C'est lui qui m'a remis le truc. Il y avait déjà une Hydra, donc c'est comme ça que j'ai goûté à l'Hydra. Et du coup, je suis toujours resté en Hydra après. Ça, c'est le 500 litres que j'avais fait, là, le cube. Donc, 1 mètre par 50 de haut, que j'ai revendu à un gars qui est en train de l'installer, là. Merde. Hop.
En parallèle, j'avais deux Max Nano avec des pierres vivantes de chez notre ami Yannick, qui les avait enlevées de sa décante. J'étais venu les chercher. Voilà quoi. Non, c'est vraiment magnifique, hein. Magnifique. Donc Avec. déjà Ouais, des bacs de différentes tailles, donc. Non, c'est super. Pour un mec qui n'y connaît rien, je trouve que tu te démerdes Ouais. bien. Ouais, Non, non, mais le je gars pense. est écœurant, je trouve, moi. Quand tu me dis, Non, ouais, j'y connais pas grand-chose et je vois les bacs, je me dis, bon, quand mais même. il n'y a pas des trucs très compliqués, quoi. Il y a du Mais non, mais il n'y a zozo. pas besoin de mettre du Y a très pas... compliqué Ouais, voilà. pour que le rendu soit super beau. Ah oui, d'accord. Oui, après, j'essaye de m'appliquer au rendu. Ouais. Ah bah c'est magnifique là. Et ouais, bah, j'avais créé des lampes là, qui sont là. Là. C'est des lampes industrielles où j'avais, dans celle-ci, il y a une Hydra 16 et là-dedans, il y a une Aquamedic Ah ouais, cool. pour que ce soit un peu plus joli que. Enfin voilà, j'aime pas Ah les ouais. trucs. Je fabrique un peu mes trucs à ma sauce. En fait, ça, c'est des Max Nano, mais desktop, là, comme ils appellent. Là. En fait, ils ne sont pas équipés, tu as juste la cuve. Ouais. Voilà. Il est où ce magasin? Et une petite question sérieuse, Laurent, les hydras là, que tu mets dans tes spots, il n'y a pas des problèmes de refroidissement? Ça se ventile bien? Ça se refroidit bien? Oui, parce que la gamelle est assez... Alors là, c'est des petits, hein, c'est les 16, hein, c'est un 16 qui est là-dedans. Donc Ouais. en fait, j'utilise beaucoup les aimants, moi, de par mon boulot. Donc en fait, j'ai un système d'aimant et de fixation, ce qui fait qu'il est comme suspendu, si tu veux, le spot. Donc du coup, D'accord. l'air circule dedans. C'est quand même aéré à l'intérieur. Et t'as percé le Ouais. dessus pour que Non, l'air non, j'ai pas s'évacue? percé. J'ai pas T'as pas percé. percé? Ça aurait été mieux, mais c'est des lampes qui commencent à coûter cher en design, et donc j'ai pas voulu les percer, quoi. Ouais, ok. Mais oui, elle n'était pas à fond. Hein, elle n'était pas à fond. À fond, en fait, quand elle chauffe, elle s'arrête 10 minutes puis elle se rallume. Ouais. Donc elle Là, n'était pas à fond, quoi. Elle n'était pas à fond quand même. comme dit Thibault, là, on n'est plus dans le domaine du bricolage, hein, on est dans le domaine de l'œuvre d'art. Ouais, parce qu'il va jusqu'à mettre même les finitions sur l'éclairage, quoi. Donc c'est vraiment Ouais, non, c'est esthétiquement le visuel est top, quoi. Et donc magnifique. ça, tous ces bacs, tu les as plus. Bah, tout ça, ils sont tous bordel là, il est devenu dans le gros, en fait. Ok, mais En t'as pas fait, gardé un anneau à côté, quelque part, non? Rien du tout. il est dans le garage et je me retiens de ne pas le brancher, en fait, mais il va ressortir. Non, mais là, je m'occupe déjà de bien finaliser mon 1200X parce que mine de rien, tu as toujours des trucs à modifier sur le brassage, sur l'éclairage, sur. Donc là, ça commence à être pas mal, donc je pense que je vais me mettre sur autre chose, mais pas encore. Ouais. De toute façon, le Ok. 170, je l'ai vendu. Il me reste qu'un Max Nano là, que je peux peut-être remettre en route. Mais j'ai un projet là. Je dessine déjà un truc. On verra. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais il y a un truc qui va sortir. Ok. Voilà. Après, Parfait. on avance. Vas-y. Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Donc là, c'est pour vous montrer un peu comment j'ai conçu le bordel, le mètre cube. Ah oui, j'avais trois choses que je voulais absolument. C'était un bac visible, les quatre faces tout autour. Je voulais pas, j'aime pas les décantes, enfin pas les décantes, mais les surverses à peigne avec le grosse colonne noire. Là. Enfin, je trouve ça moche. Enfin, ça me plaît pas en tout cas. Donc, je voulais un système. Donc, j'ai fait avec Neo 3 Plus. On verra plus tard. Hein, qui m'a fabriqué des déversoirs. Je voulais un système closed loop pour espérer ne pas avoir de pompe de brassage, mais c'était utopique, j'en ai quand même deux. Et je voulais que ça soit entièrement ouvert au-dessus, parce qu'il n'y Sans ait pas de renfort. renfort, sans renfort et que ça Ah fasse un peu comme les bacs d'eau douce qui sont remplis à ras-bord. On ne va pas le faire parce que Le il brassage. y a trop de brassage, mais je voulais au maximum, je dois être à 3,5 cm du débordement, là, en fait. Ouais. Ouais. Il y a Thibaut qui demande tes dessinateurs, hein, en plus de tous tes talents. Enfin, tu dessines, quoi. Oui, enfin, je dessine. Alors, je suis à l'ancienne, moi. Je dessine tout à la main, je fais des croquis 3D, mais oui, je les dessine, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Donc j'explique pour le faut expliquer un peu peut-être pour les gens qui connaissent pas le closed loop, c'est
En fait, l'eau descend sur des pompes de remontée et revient dans le bac par des buses. Et c'est ce qui brasse le bac, quoi, hein, grosso En modo. fait, on a une aspiration dans le bac qui passe dans une pompe de brassage, dans une pompe de remontée, en fait, une grosse pompe, et tu recraches à différents endroits dans le bac. Voilà. On perce en général, enfin, moi j'ai percé le dessous pour pas qu'il y en ait autour, mais après tu peux percer n'importe où, mais ça passe pas dans la décante, c'est un circuit fermé, ça aspire dans le bac et ça ressort dans le bac. Faut avoir les Voilà. nerfs solides, hein, avec ça. Enfin, moi, je trouve. Ouais, bah t'es, oui, j'avais quand même, j'ai eu peur à un moment. Je sais plus qui m'avait fait la réflexion. J'ai fait que deux buses d'aspiration avec quatre pompes, donc il y a une buse pour deux pompes et avec 20 et 25 000 litres d'aspiration sur les buses. Et j'ai eu peur que, enfin, on m'a dit, j'avais pas pensé parce que peut-être un poisson allait se coller dessus, tu vois, que ça allait trop aspirer, ça allait faire siphon, quoi. Ah oui. Et en fait, non, pas du tout. Et alors Je... pourquoi tu n'as fait que deux buses d'aspiration sur un bac qui est quand même assez, enfin, avec une surface conséquente? j'ai pas d'explication particulière, je sais pas Parce que pourquoi. J'ai on aurait pu imaginer, enfin, là, tu as quatre pompes, c'est ça? ouais, j'ai Tu aurais pu, enfin, on aurait pu une pompe par penser. sortie, j'ai quatre sorties, donc j'ai une pompe par sortie et j'ai une aspiration qui va sur deux pompes. Ben, en fait, D'accord, c'est par rapport à ce que j'avais vu. Je crois qu'Alexandre il a fait comme ça aussi, je crois. Parce que j'ai pas mal, il m'a pas mal renseigné Alexandre sur les conneries à ne pas faire, quel robinet utiliser pour pas que ça se mette à fuir, etc. Les marques qu'il fallait fuir. Mais je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. Mais je voulais pas trop non plus faire 50 000 trous dans le bac, ouais. parce que j'ai quand même 4, 6, 7 perçages dans le bac. Et je voulais pas de renfort, parce que j'ai pas de sable non plus, donc je voulais pas de renfort en bas, de ceinturage, donc je voulais pas trop percer non plus, voilà. Mais si c'était à refaire, je referais une aspiration de plus et deux sorties de plus. D'accord. Je mettrais deux pompes de plus. J'en ai pas assez, en fait. Ouais, parce que tu es obligé de mettre des pompes de brassage quand même. C'est pour ça que tu Ouais, fais mais je pense ça. que inévitablement, il faut des pompes de brassage. D'ailleurs, Romain l'avait vu au début de mon bac. Il m'avait dit, tu vas être emmerdé, ça ne brasse pas assez en surface. Il avait raison. Parce qu'au début, je l'ai lancé sans les pompes de brassage. Et effectivement, tu es obligé de repousser vers, Mais en fait, le bac, ouais, il n'envoyait pas assez vers la descente, vers la quoi. Et déversoire. donc, À chaque fois que je vois un truc en close loop, ça me fait penser. Ça a fermé depuis, j'arrive plus à me foutre le nom de ce magasin-là à Bruxelles. Ah ouais, bah, je me suis inspiré de ce C'était truc-là. magnifique, leur bac d'expo était en close loop. Et la flotte ressortait par les branches du décor, en fait. Ils avaient fait un. Il y avait des sorties du close loop dans le décor, en hauteur, près de la surface, partout, hein. Ouais, bah en fait, oui, je pense que si je refaisais un truc, je rajouterais des sorties en surface, justement, en hauteur. J'ai que ma sortie de pompe de remontée qui est en surface. Et je pense qu'il faut faire un close loop avec une Ça aurait pompe de été, ouais, plus. ça aurait été Ouais, vraiment comment il top. s'appelait ce magasin? Tu te rappelles, Yannick, ou pas? À Bruxelles, C'était un super beau magasin et j'arrive plus à me rappeler Bruxelles. C'est pas Bruxelles. Il a fermé, le pauvre, ils ont arrêté. ouais, mais Ouais. je l'ai. J'avais vu ses vidéos de son bac. Ouais, peut-être Urban Reef, peut-être, ouais. Voilà, c'est Urban Reef, C'est ouais. ça, c'est ça, Et ils avaient un bac d'expo qui était magnifique, quoi. tu peux Ouais, nous montrer, donc. Laurent, si tu as des Ouais, photos du close loop vas-y, qu'on tu voit peux. concrètement ce que ça donne? Alors, vite fait, là, sur la photo de gauche, On va y aller, on continue, on va y arriver, hein. c'est l'emprise du bac. Au milieu, là, il y a donc deux aspirations, celle du milieu. Ça, c'est une remontée, et dans les angles, c'est des remontées. Alors, je ne les ai pas mis partout au même endroit pour que ça. Enfin, je les ai mis un peu au hasard. Hein. Je voulais pas que ce soit trop près des vitres pour que les aimants puissent passer quand même. On le voit ici, là, je veux que là, en fait, ça passe autour. Et ça Donc là, sort c'est. droit? Ça, non, tu t'as fait. Non, non, j'ai remis un coup, tu vas voir après, j'ai pris des Ouais, photos. t'as remis un coup, ouais. Donc, j'ai mis quand même des passe-cloisons. Malgré que mon débordement se fasse par des joints unicyles, mais là, je ne voulais pas risquer en dessous. J'ai mis des passe-cloisons à l'ancienne, quoi. Bon, Oui, là, c'est le collègue quand on m'a collé le. passe-paroi d'aquarium, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, un Ouais. passe-paroi. Ça, c'est quand on a collé la cuve. Enfin, quand.
Calvados aquarium est venu coller la cuve. Il l'a collé chez Ok. moi Oui, directement. il l'a collé directement chez toi, quoi. Ouais, on a présenté. Moi, j'avais tout percé avant pour que ça descende dans mon meuble. Bon, je ne vous explique pas le truc. Hein, c'est une structure métallique basique, rien d'extraordinaire. En deux morceaux, parce que sinon, ça ne passait pas dans les camions et par la porte. Donc, je l'assemblais. Plateau au-dessus, c'est du médium laqué. Ça s'est fait dans l'usine dans laquelle je travaille. Et dessus, là, c'est une mousse. On la voit ici. Là, c'est une mousse noire, parce que je ne voulais pas un polystyrène moche. Donc, c'est une mousse noire que j'ai laissée exprès apparente, en fait. Et dessus, j'ai un PVC noir où j'avais usiné mes trous pour que ça tombe pile poil avec les trous usinés dans le verre. Voilà. Rien que ça, c'est. Ouais, Je franchement, c'est la fou. finition. Et Enfin, vous riffez, Yannick, non? bah, franchement, enfin, rien que la Ça se voit conception, pas, Yannick, j'imagine. ça se voit pas là-haut. Non, mais je vous confirme, je suis ébouriffé. Ouais, non, mais sérieusement, rien que la conception de l'ensemble, c'est impressionnant. Et Ah ouais. j'ai une question un peu naïve. Tu as une arrivée électrique sous le bac, du coup? Comment Non, tu as fait bah pour non, parce que. l'électricité? Non, parce Là, qu'en il y a fait. un fil. Ouais, il y a un fil. En fait, c'était pas prévu qu'il y ait un aquarium à cet endroit-là. Et où je suis, en fait, c'est des anciens bureaux que j'ai transformés en habitation. Et le sol était déjà fait. C'est du carrelage, hein. C'est pas du parquet. C'est un carrelage d'imitation parquet, qui est très bien parce que comme ça, je peux me mettre de l'eau partout. Et je peux pas percer le sol ni faire de goulotte parce que j'ai un chauffage au sol. Donc pas le choix. J'ai un fil qui passe. Bah là, tiens, tu vois là. On le Le voit. fil. Quand Ah oui, j'ai ok. vu son aquarium, j'ai vu le fil, je dis c'est la ligne de vie, ça. Ouais, Donc, alors ouais. j'avais quand même un passage, tu sais, un truc noir, une goulotte noire très bien propre que j'avais mis, mais mon chien s'est amusé à la décoller. Voilà. Et par chance, on était en vacances et il n'a pas débranché. Donc, pas mal. Donc, voilà. Là, on voit en dessous une décante. Alors, pareil, je voulais la faire en solide surface parce que sur le 508, j'avais fait ma décante en solide surface à l'atelier, là où je bosse. Sauf que là, voilà, comme je me suis bien entendu avec Calvados Aquarium qui me faisait des prix pas mal, je me suis pas fait chier, je l'ai fait faire en fait. Ça me coûtait moins cher que le solide surface et ça me permet de bien voir au travers, c'est plutôt pas mal parce que le solide surface, si tu fais, moi j'avais pas fait d'ouverture et en fait tu vois pas bien la sédimentation, les merdes qu'il y a dedans, etc. Donc finalement j'ai fait à l'ancienne en tout vitré quoi. Bah, En le solide JVP quand surface, même, j'ai c'est quand même. bien quand tu peux voir du dessus, effectivement. Ouais, donc là, du coup, j'ai fait tout en verre. Et puis, j'ai quand même fait en joint poli pour que ce soit un peu plus esthétique et moins crado. C'était pas beaucoup plus cher, donc j'ai préféré faire ça. Et là, ça, c'est ma réserve d'osmosée où j'ai, pour l'osmolation, où j'ai 160 litres. Donc, je tiens entre 10 et 15 jours, quoi. Voilà. Le volume total, là, on est sur total. Alors. Si c'était à ras-bord l'ensemble, la cuve en haut, elle fait 1125 litres. En bas, je dois avoir 180 litres de décante. Et j'ai mon autre cuve à côté. Donc, j'ai fait les calculs en enlevant les épaisseurs, le niveau d'eau et tout. Et je dois avoir 1190 litres exactement qui tournent. Ouais, bon, 1200 litres, quoi, ouais. Pas à 30 litres près parce que c'est pas évident. Mais après, il y a les tuyaux en plus. Donc, mine de rien, j'ai pas mal de cheminement en tuyaux. Quand j'avais fait mes essais d'étanchéité, je crois que j'avais mis 15 litres pour remplir tous les tuyaux, là, ou 12 litres, je crois. Ouais. Okay. Il y avait une question tout à l'heure, j'ai vu passer. Si tu as une coupure de courant, ça fonctionne comment? Alors, je suis en train de faire un schéma avec des composants électroniques pour. Mais je crois que je vais acheter le truc Tunes, parce que j'ai vu qu'il y avait Tunes qui faisait ça, qui fait que quand ça coupe, ça passe sur batterie. J'avais fait des tests, il y a un gars au boulot qui fait un peu d'électronique, Non mais mais l'eau, t'as sinon, mis des anti-retours, c'est ça que je pense qu'il voulait savoir, Ah oui, quoi. pardon, ouais, j'ai. Alors. Je pense qu'il voulait que tu lui expliques si t'as une coupure d'eau, Alors, une là, coupure j'ai de la pompe courant, sur. l'eau elle tombe, mais t'as certainement dû mettre des anti-retours, quoi. Alors, par les débordements, forcément, ça fait monter la décantation, mais ça ne déborde pas. Donc, ça monte de quelques centimètres, mais ça ne déborde pas. Et pour la remontée, j'ai un système de. C'est une bille qui est à l'intérieur. Et dès que la pompe s'arrête, elle ne pousse plus la bille, qui est une bille qui est très lourde Ouais, en ouais, caoutchouc. ouais, ouais. Et bing, ça vient se boucher, donc ça ne fait pas siphon par le Ouais, débordement. et je pense que c'est top parce qu'au moins t'as pas l'anti-retour avec le petit le clapet qui peut rester coincé.
Et donc, Non, bah là, c'est c'est une mécanique, hein. bonne, C'est voilà, c'est une bonne un truc solution, ça, ces anti-retours. bah, c'est grâce à Alexandre que j'ai eu ça, parce que alors, je ne sais pas si lui il utilise ça, mais en tout cas, le site qu'il m'avait envoyé pour acheter les robinets là, qui vont bien, qui ne fuient pas, les vannes, il y avait ce système-là. Alors, c'est quand même 130 balles le truc, mais Ouais. t'hésites pas dans ces cas-là, quoi. Ouais. Et franchement, j'ai fait le test 15 fois, ça marche super bien. Ok. Et ce système-là, ça bride pas la pompe de remontée? Ça diminue pas son débit? Bah, une Si, fois ça qu'en fait, doit. en fait, ça fait un Y, si tu veux, et la boule part dans le Y. Donc Ah oui, ok. forcément, elle pousse, mais... Ça pousse au démarrage, quoi, on va dire. Ouais, bah, y a Ouais. Stéphane qui mettait, ouais, peut-être qu'il y avait une petite perte de charge. Ouais, c'est la question que je posais. Ouais. Après, tu Oui, mais compenses bon, après... légèrement sur la puissance de la pompe De toute et le façon, tour moi, est joué. je suis bridé avec mes déversoirs, parce que ça, quand même, ça se vide quand même moins c'est moins efficace qu'un débordement traditionnel. Moi, j'ai quand même 4 descentes de 40 pour réussir à avoir entre 8 et 11 000 litres heure de circulation d'eau, en fait. Donc, tu as Alors un que normal. turnover à 10, quoi. Oh non, je vais être à 8. Ok. Je suis à 8. Et en fait, pour être à 8 avec une surverse traditionnelle, tu as deux tubes de 40, ça suffit, hein. Mais moi, je suis obligé d'en Oh. avoir 4, parce que du coup, il y a un circuit à la con, quoi. Ok. Et pour le close loop, il ne peut pas y avoir de problème, parce qu'on le verra sur les autres photos. Quand ça se coupe, c'est un circuit fermé. Donc, même s'il n'y a pas de courant, ça ne fait rien, en fait. Il n'y a pas de Ok. problématique. Parfait, top. Et si je veux nettoyer mes pompes, pour les remonter et sur les descentes, j'ai des vannes. Donc, je coupe mes vannes. Il y aura quand même l'eau qu'il y a dans 1,50 m de tuyau quand je vais débrancher ma pompe. Mais c'est pas énorme, quoi. C'est pas bien grave, ça fera pas remonter l'eau au-dessus. Ah Enfin, il n'y non, aura non. pas de Après, débordement, quoi. ça peut pas Voilà. se vider. C'est juste que quand Ouais, tu débranches ta pompe, ouais. Ouais, tu fous 3 litres d'eau par terre, quoi. Voilà, il faut un ouais. peu plus, quoi. Mais Tu ça, je pense qu'il faut faire l'entretien une fois par an des pompes. Donc, je suis Nettoies pas tous encore. les combien, toi, Yannick, tes pompes? Ouais, c'est à peu près tous les 6 mois, je me Ouais, fais pareil. pompe d'écumeur, pompe de Allez. remontée, la pompe de l'UV, et puis tous les 4 mois, peut-être les pompes de brassage. On Ah est ouais. pareil, on est pareil. Bon, les J'y pompes de brassage, je les fais tous les 1 mois et demi, 2 mois, moi. Bah, moi, Mais les bon. MP60, et les tunes, là, elles s'encrassent pas beaucoup, hein. Bon, il y a un peu de coralline qui se fixe dessus, mais ça joue pas énormément en diminution du débit. J'essaye d'alterner entre les trois pompes que j'ai, moi, de brassage, à tous les 3 mois en nettoyer une, quoi, tu vois. J'alterne, les autres continuent Ouais, à c'est une bonne. tourner et j'en balance une dans le vinaigre blanc eau C'est un chaude bon rythme, ouais. pendant une demi-journée. Je frotte, je la remets, voilà, quoi. Salut Mais je suis comme Xavier. toi, à peu près Bah, moi, une fois tous les 6 mois, pompe de remontée, quoi. La pompe de remontée qui est dedans, là, c'est celle qui était dans mon 500 litres, qui avait 1 an. Et franchement, quand je l'ai démontée, c'était un peu visqueux, mais c'était pas. Enfin, je me dis qu'elle pouvait tenir 1 an, ça pose pas de problème, en mon sens. Maintenant, on verra. Hein. Ok. Voilà. Donc là, Ouais. c'est la cuve était collée. On voit pas très bien, mais elle est ci-rejoint avec je tenais les angles. Et voilà, là, c'était collé. Après, ben voilà, là on voit un peu plus le système du close loop. Donc on voit les deux pompes. Là, ici, là, on a la buse d'aspiration que j'ai collée, en fait, qui est celle qui est vendue avec les pompes, hein. Je les ai réutilisées, je les ai collées. Ouais. Donc Je les les ai Gebao. collées. Ouais, j'ai barreau, et en plus, celle-ci, elle se déclipse. Donc, ça me permet. J'ai gardé le socle, et puis, du coup, je peux les déclipser et les nettoyer, quoi. Ouais, elles sont. Et donc là, Gebao, les pompes, tu nous diras à peu près ce que tu Ouais, as je mis. suis tout en. Alors, j'avais eu Claude pour acheter des 6C, là, parce que je ne sais pas comment on dit, la marque qui Les vend, là. DCP. Ah, pardon. Les Et Sitchi. ouais, Sitché, c'est ça. Ouais, ok. Qui était vachement bien parce que je pouvais faire des oscillations, etc. Sauf que c'est bien, mais c'est Tu cher. peux avec les Gebao, les nouvelles en Wi-Fi. Mais pas les pompes de remontée. Ah, tu peux pas le faire avec la pompe de Non, les remontée pompes de remontée. avec Non, les tu peux. nouvelles? Enfin. Elles sont noires, les nouvelles, hein. Ah, peut-être, Pas les nouvelles. celles-là, hein. D'accord. Bon, Et d'ailleurs, peut-être. tu les trouves pas en France, je crois. Oui, je les ai vus sur AliExpress, Tout le que je monde sait voulais où on pour peut mon les nouveau trouver. projet là, j'ai été Voilà. voir. Ouais. Alors, je Bon, en sais tout pas cas, si elles le je font.
Quelqu'un, il y a peut-être des gens qui peuvent nous le dire sur le chat, mais je croyais qu'elle le faisait, moi, les nouvelles. Enfin bon. Bon, du coup, j'avais pris ça pour une question de budget, question aussi, alors, aussi esthétique, un peu débile, mais moi j'aime bien avoir tous les mêmes contrôleurs. Et comme j'avais déjà de la pompe de brassage, des pompes de remontée, je voulais que sur mon tableau électrique, tous les contrôleurs soient les mêmes. Bon, c'est un détail, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai quatre pompes en 10 000 et une en 13. Parce que celle en 13, je voulais sortir à deux endroits et finalement j'ai changé entre-temps et je ne sors qu'à un seul endroit. Et du coup, ma pompe de remontée sort au milieu du bac. On le voit ici, là. Voilà. Et bon, on voit les descentes à chaque fois. Donc, sur une descente, je descends et je fais un T, enfin un U plutôt, et je vais dans chaque pompe et chaque pompe remonte. Ok. Voilà, on le voit mieux ici, là. On voit à chaque fois une entrée et ça remonte. Une entrée et ça remonte. Ça remonte à droite, ça remonte à gauche. Elles sont Alors toutes oui, réglées pareil? non, j'ai fait mes réglages. Après, j'ai mis en eau douce pour voir un peu ce que ça donnait le bordel, parce que j'avais aucune idée de ce que ça donnait. C'est la première fois que je faisais un close loop. Et en fait, non. Et je pense que d'avoir mis une 13 et une 10, c'est un peu une connerie, parce qu'il y en a une qui prend le dessus sur l'autre, j'ai l'impression. Ouais, c'est obligé. Même si tu mets à peu près les mêmes réglages, Ouais, voilà, t'arrives pas bien à t'arrives régler, mais pas à régler correctement. ça Mais fonctionne très bien, d'ailleurs, mais. sur les pompes de brassage, Jebao, les MLW20, MLW30, si tu essayes de les mettre à peu près au même réglage. Donc tu descends un peu la MW30, tu n'arriveras jamais à avoir la même chose que la MW20. Bah, c'est un peu la même chose là. Là, c'est des Ouais. 10 000 et 13 000, mais bon, enfin, ça fonctionne, hein, mais en fait, je suis obligé bizarrement, de mettre plus fort la 13 000 litres pour avoir le même brassage que l'autre. C'est bizarre. Je sais pas Ouais, pourquoi. Il doit y tiens, avoir un. y a T'as des Mario qui variations. demande ce que c'est que le closed loop. Donc, je te l'explique vite fait. C'est en circuit fermé, l'eau descend vers des pompes et remonte en circuit fermé pour brasser le bac. Voilà. Ouais, en Il fait, est. l'eau, elle est aspirée par là. Elle descend par là. Elle va chacun dans une pompe et elle Elle remonte remonte. dans chaque angle, de chaque Voilà. angle où tu veux, hein, dans le bac. Elle remonte dans le bac pour brasser le bac. Voilà. C'est ça le closed loop. L'eau n'est pas traitée, c'est pas une décante, rien du tout, c'est juste un circuit fermé avec deux pompes. Elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte, c'est tout. Ah, et puis Et pour donc, répondre à la question d'Yannick tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'en ai fait que deux et on aurait pu en faire plus, mais l'idée c'était d'aspirer le plus loin d'où je recrachais. Je ne sais pas si tu veux ce que je veux dire. oui, bien sûr. Ouais, Voilà, la tout à meilleure fait. circulation, c'est-à-dire qu'en même temps de faire du brassage, ça te fait une super circulation au close loop en fait, parce que ça vient pomper l'eau à un endroit et ça recrache à un autre. Donc ça c'était pas mal, c'est pour ça que j'avais fait comme ça. Là on voit le système de débordement avec les déversoirs de De 40. Jean-Marc. Ah pardon, oui. C'est du 40, tu as Ici. dit tout à l'heure. Ouais, c'est du 40. Je passe avec. J'ai des perçages ici et je passe dans des joints unicies. C'est-à-dire que là, je n'ai pas de passe cloison. C'est du joint, c'est ce qu'ils appellent les joints américains, là, que tu fais un perçage à 52 et quand tu rentres le tuyau avec un peu de graisse, ça écarte le joint. C'est un peu le principe d'un joint qu'il y a dans l'automobile, Ouais, quoi. c'est les joints unicies, ouais, ok. Ouais. Et en fait, j'avais utilisé ça sur le 500 litres, c'est hyper étanche. Je n'ai pas osé le faire sur le fond, mais je crois qu'on peut le faire. C'est vraiment super étanche, c'est vraiment vachement bien comme truc. Et du coup, tu n'as pas un serrage, c'est tout fin, toi. On voit là sur la photo, c'est propre, quoi. Ouais, c'est super Alexandre propre. Burkhardt utilise les mêmes types de joints, hein, les joints ici sur. Enfin, sur la cuve technique, moi, que je lui avais commandé, que j'ai chez moi, il y en a. Ouais, tout à fait. Ah, Effectivement, c'est. c'est pour passer d'une cuve à l'autre, t'as ça dedans? Ouais. Ah ouais, bah franchement, c'est. Enfin, moi, il n'y a même pas un truc de sel, il n'y a rien, quoi. Ça ne passe pas du tout. Hein. Ils Non, peuvent non, pas. c'est d'une étanchéité bluffante. Ils peuvent pas sécher au fil des années, se détériorer. Enfin, en fait, il faut vraiment respecter, par contre, pile poil le perçage. Ah Et oui. donc là, C'est. juste une petite Vas-y. question là. Pardon, tes quatre déversoirs là. Ouais. Donc, il y T'as en a pas deux, si c'est intérêt les à. doubles. Ouais, les doubles, ouais, les deux fois deux. T'as pas intérêt à mettre une petite plaque opaque sur le dessus pour pas avoir de développement d'algues ou d'escargots qui se mettent dedans ou. Oui et non.
Je le fais pas volontairement pour toujours aller jeter un coup d'œil parce que j'ai pas de Ok. truc de secours, si tu veux. Donc Pour visualiser. je suis pas mécontent Ouais. de temps en temps mettre mon doigt dedans et enlever les trucs quoi. Ok. Donc je préfère le, voilà, je le laisse comme ça ouvert. Parce Et que après. je sais que moi, les surverses, enfin, c'est pas une surverse, mais c'est un peu le même principe. Moi, les Ah surverses, bah t'as j'essaie vite toujours fait d'avoir de les couvrir de la parce que, merde là. ouais, avec la lumière, y a toujours pas mal de micro-organismes ou d'algues qui se mettent dedans. Et même Mais quand là. c'est opaque, il y en a, donc ça permet de limiter un petit peu Ouais. Alors. l'installation de cochonneries. Ouais, ce que j'ai aussi, c'est que contrairement à toi, moi, mon éclairage, il est. On verra tout à l'heure, là, mon truc est au-dessus avec l'éclairage, il est décalé d'une quinzaine de centimètres par rapport au bac. Ce qui fait que j'éclaire pas beaucoup. Il y a beaucoup moins de À cet lumière qui endroit-là. va. Ouais. Là, oui. C'était aussi. C'était, ça, je l'ai fait aussi pour moins laver les vitres. Je sais pas si ça joue, j'ai l'impression quand même un peu. Bon, évidemment, tu ne peux pas mettre un Acropora le long de la vitre, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais voilà, je ne voulais pas trop éclairer le long de la vitre et justement à l'endroit du déversoir. Oui, ça, j'ai une question de Monsieur Vigotte là. Oui, ça limite le turnover. C'est pour ça que j'étais obligé de mettre 4, 4 fois 40, alors que le turnover que j'ai, il irait très bien dans 2,40. Dans deux tuyaux de 40. Je suis obligé d'en avoir 4, quoi, en fait. Mais bon, c'était voulu. Puis bon, j'aimais bien le côté de voir les tuyaux que j'ai peints en noir, les tuyaux qu'on voit ici, là, que j'ai peints en noir pour aller un peu avec le, entre guillemets, le design de l'aquarium. Ça fait un Et peu un après, côté Indus. ouais, voilà, j'aimais bien. Donc, c'est comme ça, c'était un choix. Et du coup, après, j'ai percé donc, mon plan de travail, là, en kaélaké noir. Et j'ai mis comme des raccords. Et en fait, du coup, ça, toute ma tuyauterie est suspendue, mais elle n'est pas fixée. Ouais. Mais Comme ça, j'ai pas elle est besoin. maintenue à ton plan de travail, donc ça bouge pas. Voilà, en fait, c'est la collerette du haut qui est collée sur le tube qui empêche que ça descende parce que le trou est du diamètre de 40, en fait. Et donc là après, donc là ça descend. Alors après, bah tiens, là, on voit le système du closed loop, c'est aspiré par là, en fait. Là, c'est en eau et là. Donc ça, enfin, t'en parleras peut-être après. Faut pas qu'il y ait trop de coraux qui viennent se mettre au-dessus, non? Bah, j'ai des os en plus qui poussent déjà dessus là. Je ne sais pas comment ils arrivent à pousser en étant aspirés comme ça, mais ça pousse quand Non, je même. parle le jour où tu es blindé en accro, va falloir laisser toujours un petit espace pour pouvoir intervenir, quoi. Ah oui, c'est pour ça que là, je suis content parce que la coralline prend le dessus. Parce qu'avant, quand c'est blanc, tu vois que ça en fait. Tu as l'impression que tu as un truc blanc. Bon, maintenant, la coraline est dessus, donc on le voit de moins en moins. Mais effectivement, il faut que ça reste accessible pour que tu l'écrases un peu, ils déclipsent, c'est pour aller le nettoyer, quoi. Ouais. Ok, cool. Voilà. T'avais Alors là, tout. c'est. La conception est vraiment ingénieuse, hein. C'est Ouais, franchement bravo. t'avais Non tout mais conçu là... sur papier avant, t'avais fait des plans pendant des mois et des mois pour. Oui, un petit peu. Après, quand je suis lancé, je suis un peu à fond dans le truc. Donc, après, ça va vite. Après, j'étais plutôt à speeder Calvados Aquarium pour qu'il vienne me coller parce que j'avais préparé le support et que j'étais prêt, quoi. Donc. C'est les Oui, j'ai réfléchi un petit peu, mais ça a été assez vite en En fait, fait. Laurent a tout conçu en 3 nuits. en 2 heures. En 2 heures, c'est étanché. Non, non, mais je sais pas, j'y ai pensé au mois d'août et on a collé au mois de novembre, quoi. Donc, C'est oui, impressionnant, bon, franchement. c'est Impressionnant. C'est rapide, hein, quand même. Hein. et en fait, donc là, on voit les différentes sorties. En fait, Donc je ça, sors. c'est les pierres Alors, de les chez sorties. Tunes. Non, 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 ça c'est moi qui ai collé. C'est toi qui as En fait fait, aussi? je sors en. J'aspire en 40 et je sors en 32. Et il Ouais. se trouve que sur les passe-cloisons de 32, quand tu mets un tube de 40, là, un coude à 45, non, pas 40, oui, 45. 30? Non, Non. c'est 45, ça. Ouais, 45, ok. 90-45. Il se met dessus. Il tient à peu près, mais tu peux l'orienter, ce qui fait que mes bustes sont orientables. Tu vois ce Ah que je veux dire? ouais, extraordinaire. Ça, Donc c'est bien. j'ai Ouais. juste mis un peu de colle dedans pour que ça soit un petit peu plus fort, mais sans laisser préendre la colle, si tu veux, pour pouvoir les tourner comme je veux. Alors, si tu avais mis en plus un oscillateur dessus, alors là, tu aurais été monstrueux.
Non, parce Ça que va venir. déjà, la conception, elle est folle. Tu Alors, m'étonnes. non, non, mais c'est extraordinaire. Donc, tu peux les déplacer à si besoin, tu veux modifier ton brassage, tu peux les Ah gérer. bah je les ai tournées 15 fois là parce qu'en fait du coup ça va trop sur un accro, trop sur un machin. Ça y est, maintenant elles sont, j'ai réussi mon réglage, mais oui, je les ai tournées. En fait, l'idée c'est que l'eau, elle fait le tour du barrac, arrivée sur la dernière, donc arrivée sur celle-ci là, ça repousse en direction des peignes pour qu'elle redescende. Ah ouais, ok. Et là, Voilà. t'as Dans collé. l'absolu, si tu veux, tu peux les tourner à 360, c'est ça? Ah bah je peux les coller même direction de la vitre. Carrément contre la vitre. Oui, elle tourne, oui, bien Pourquoi sûr. t'as pas. Ok. Je sais pas, vous l'avez dit, là, je regardais un truc, mais tu sais, les systèmes d'arrosage qui tournent tout seuls, là. T'aurais pu mettre ça au fond du bac. Ouais, ça fait l'oscillation, quoi. Ouais. Ben, il y a une possibilité de faire avec un. Si à l'intérieur, tu mets une sorte d'hélice. Ouais, ça existait en eau douce sur les buses. Quand l'eau Ouais. remontait, ça faisait tourner les buses. Exactement. Mais bon, ce sera pour le prochain. Mais j'en donc ai jamais vu des grosses par contre, hein. pour les camoufler au maximum, j'ai collé carrément. Ça, c'est de la roche de chez. Alors, s'il y a des coraux morts aussi que j'avais perdu, donc il y a des bouts de coraux morts, et il y a aussi de la roche de chez. Merde, la marque violette là. Aquaforest. Aquaforest. Aquaforest, voilà. Il y a de l'aquaforest qui est collé sur les tubes. Donc, quand ça, par exemple, quand je veux le tourner, je peux rendre toute la pierre. Là. Je tout tourne avec. C'est James Bond, ce Et bac. là, ça, c'est décollé. Il faudra que j'en remette. Ça n'a pas bien collé, là. C'est un Mais on truc les de voit fou, hein. ici. Donc même sur les sorties de brassage, t'as un système bactérien, quoi. Ouais, Ouais. Bah, ça y est, maintenant, tu as vu, la coraline, elle a bien pris dessus. j'ai vu, hein. Là, tiens, on le voit dans le fond sur celui-là. Ça, c'est celui. Ouais, c'est celui-ci, Tiens, ouais, c'est combien de celui-ci. temps? 2 mois? Je l'ai fait le lendemain de Noël, le 26. J'ai le Non, la 26. coraline, pardon, excuse-moi, la coraline. Ah, la coraline, elle est arrivée assez vite. Hein, un Deux mois mois? après, Ouais. elle est arrivée. Non, mais comme tu disais que tu avais un peu des algues, tu en parleras sûrement peut-être après, j'en sais rien. Mais Ah ouais, j'ai donc eu. la coraline a bouffé ton duvet d'algues sur le fond en 2 mois, quoi. Ouais, ça s'est pas déroulé tout à fait comme ça. Ouais, bah, tu l'expliqueras après, je sais pas si tu dois l'expliquer ou pas. Oui, je pourrais l'expliquer. Ouais. Ça ne s'est pas tout à fait déroulé comme ça. La coraline est arrivée plus vite que prévu. Et après, j'ai d'autres choses qui sont arrivées. J'ai de la dino qui est arrivée, qui s'est invitée. Et un peu Ok. de cyano aussi. Oui, bah c'est bien, c'est ce qu'il faut, hein, dans un démarrage de bac. Mais en fait, je pense que là, ça fait que un mois, peut-être même pas un mois, 3 semaines, que enfin mes nitrates et mes phosphates, ils ne font pas le yo-yo, quoi. Ouais, le bac se stabilise. Parce que j'étais à 0,0, après je les ai fait monter, il y a eu une inertie, je suis monté à 10, je suis redescendu, enfin ça n'arrêtait pas de bouger, j'arrivais en 3 jours, ça changeait du simple double, c'était ouf. Et là, ça y est, c'est enfin stabilisé, quoi. Enfin, Bon, je touche du ok. bois, le récif, On demain touche du j'aurai un bois. autre problème, mais pour l'instant ça a l'air de se stabiliser, on verra Il y a demain. votre collègue là, Sylvain, qui parle de zizicoptère à propos des buses qui sortent. Ça s'appelle une. Ouais, il a dit que la buse s'appelait un zizicoptère. Ok, Donc vas-y, voilà. ça a fait sourire Vas-y. Yannick quand même. Ok, donc là. Là, c'est l'éclairage, le système Ah d'éclairage. ouais, Donc ça c'est génial. Le j'ai fait système. un. On voit là chez moi, j'ai une poutre là-haut en béton. Là, c'est pas du bois, hein, c'est du béton en fait. Ça, je me suis accroché dessus et tous mes transfos d'hydra sont là-haut en fait. J'ai refait un petit panier, j'aurais pu prendre la photo. Enfin bon, bref, tout est là-haut. Comme ça m'évite d'avoir trop de chaleur en dessous le bac et il y a tellement de bordel que c'était déjà ça, c'était déporté. Donc c'est très bien. Donc tout est là-haut. Du coup, j'ai coupé les fils d'hydra, j'ai ressoudé les trucs. Enfin, j'ai modifié les hydra. Et les hydra, elles sont fixées s'il y a des vis et des aimants assez puissants. Ce qui fait que je l'éclipse sur le. Enfin, je l'éclipse, ils se collent hein, avec les aimants. Ils sont aimantés à ta grille, Voilà, mais au comme ça, plafonnier, quoi. comme ça, exactement. Comme ça, je les positionne où je veux par rapport aux coraux que j'ai en dessous et entre autres aux super coraux de Yaya. Les accros Yaya, je les appelle. Mes accros Yaya, comme ça, je peux leur mettre de la lumière, quoi. Bon, c'est des toutes petites boutures, hein. On va pas non plus chipoter. Bah, ouais, je me rappelle, ça avait bien débordé dans la voiture. Et Ah ouais, non, donc, mais voilà, mais. l'installation de malade. Donc ça veut dire qu'en fait, tu veux déplacer ton hydra, tu la prends, tu l'aimantes où tu veux en fait.
Ouais, enfin, tu es quand même un peu limité avec le fil parce que le fil, là, j'ai fait une grille perforée pour que le fil passe dedans. Ok. Donc, en fait, tu es quand même obligé de débrancher au-dessus et de déplacer un peu ton fil quand même. Mais oui, tu as une latitude de 20 cm suivant où tu fais descendre ton fil. Extraordinaire. Et le fil remonte. Alors, par contre, j'ai fait un tube trop petit, mais trop gros, ça aurait été moche. Du coup, les fils passent avec des riselants, c'est un peu dommage. Mais Ok. Et ce qui fait beau, c'est que le tube soit pas trop gros, sinon ça aurait fait moche. là, quand j'étais passé chez Laurent, il m'avait montré, il prend la rampe, pouf, il la bouge. Tu vois, mon hydra, je peux la mettre là, je peux la mettre là. Ouais, c'est Et là, extraordinaire, hein. c'était. Franchement, Ah ouais, putain, non, mais faut faut y penser, hein. Ah, faut y penser, hein. Franchement, c'est un truc. C'est top. Ouais. Et donc là, t'en as mis combien alors? Là, j'en ai 6, j'en ai une 7e à installer là. J'en ai Tu les 6 et j'en ai. on les voit, j'imagine, après, ouais. De toute façon, on Ben, les voit. non, je crois pas que j'ai fait, je sais plus. Là, il y a Nicolas qui dit On que les voit sur mon bac t'es là. le MacGyver du Récifal. C'est Nicolas Simon qui dit ça. Mais Ah ouais, c'est bravo, hein. c'est plus que MacGyver, c'est artistique, là. Après, ça c'est spécial pour Romain, parce que je sais qu'il aime bien les passages électriques. Ah, j'adore. Tu veux pas venir chez moi? C'est Donc, bah quand que là, tu ça. descends sur Marseille? Bah, il faut que je descende, il y a ma fille qui est là-bas, donc Mais je je viendrai sais, te c'est pour voir. ça que je te dis ça. Donc, ça, c'est les contrôleurs de mes quatre pompes de closed loop. Ça, celle de droite, c'est la remontée. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est pour la pompe pour l'UV. Bon, ça, c'est le chauffage que tout le monde connaît. Derrière, il y a le contrôleur De l'écumeur. du Baby King. Et en bas, bah, les trucs habituels que tout le monde a là, sur interrupteur. Donc, tout est référencé, moi. C'est-à-dire que si jamais il y a une galère et que je ne suis pas là, bon, là, on ne voit pas bien, mais il y a des numéros qui se repèrent au truc. Il y a la pompe de remontée, il y a quand même un numéro. Et sur la pompe, on ne le voit pas là, mais sur chaque pompe, j'ai T'as un mis le numéro, autocollant quoi. avec le 5, voilà, pour pas qu'il y ait pour s'y retrouver, quoi. Ouais, avec tout ça, t'es obligé un peu, quoi. T'es Ouais, pas comme déjà, chez et pour moi, moi parce où tu tires un que. Et fil puis, et. voilà, s'il y a quelqu'un. Qui vient faire toi, ma fille, Ah oui, ma d'accord. fille, Donc, si elle vous connaît les voyez pas ce boutons, que elle sait où c'était. ça va. La photo de droite, l'avant-dernière, je voyais pas ce que c'était. Mais en fait, c'est percé, les fils passent là-dedans. Oui, d'accord. Ouais, c'est des systèmes, ça vient d'Amazon, hein, c'est pour tenir les câbles. Cable management, voilà. Qui n'est pas fini, tu vois, il en manque un là. Donc, ben, Ah, pas bien, pas bien. c'est pour Mauvaise essayer d'être note. propre, quoi. Voilà. Et là, le système hyper simple, c'est pour pas se faire chier à passer. En fait, j'ai une entaille. Et du coup, ça passe facilement dedans sans avoir un trou rond, quoi. C'est beaucoup plus simple pour faire les branchements, quoi. Mal branché la prise je Ouais, c'est rigole. possible. C'est vrai, c'est possible. Il faut que j'aie regardé. Donc voilà, ça c'est pour les câbles. Ouais, propre, propre. Ça Pas, c'est pas, l'autre. pas, Ouais, pas, voilà. pas, pas. Là, tu vois qu'il y a les numéros sur les pompes, là. Comme ça, je me retrouve. Enfin, surtout sur ceux qui viennent, quoi. Oui. Non, mais c'est bien, si un jour t'es pas là, il y a quelqu'un qui vient, tu lui dis, voilà, tout est écrit dessus, tu suis, et voilà quoi. Exactement. Ça, c'est de l'autre côté où j'ai bah, le baling. Moi, je suis en ATI, un truc simple. Bien. Je suis en ATI essentiel 1 et 2, là. Voilà. Ok, pompe doseuse, tu distribues. Yannick, tu peux peut-être. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose en ATI. Bah, ATI essentiel, je ne l'utilise pas, moi. Donc, c'est Ah oui, Laurent qui va nous pardon, l'expliquer. Hein. pardon, Ouais. pardon, pardon. Oui, Bah, en fait, tu as j'étais deux. dans les oligos, là. Je voyais les bouteilles comme ça, j'étais parti dans les oligos déjà. Ouais, non, ça Non, 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 c'est le oui. baling, ouais. Ah, pardon. Oui, là, on parle du bailing. Ok, t'es chez ATI en bailing. Ok, pardon. Voilà, tu as deux Excusez-moi. pompes Mais attends, seulement. l'essentiel, il n'y a pas des oligos dedans, des fois? Si, Pourquoi il y a quatre il y bouteilles? a. Dans le numéro 2, dans le 1, c'est uniquement le cache. Et dans le 2, tu as tout le reste, soi-disant. Par rapport à ce que je fais moi, et pour l'instant, ça fonctionne bien. Après, je pense qu'il va falloir quand même que là, je vais passer le mois prochain, je vais faire mon premier ICP et je vais voir un peu comment ça. Je vais améliorer ça, mais ça fonctionne pas trop mal quand même. Ah, mais d'accord, c'est juste, il y a deux bouteilles. Je comprenais pas pourquoi il y en avait quatre, en fait, c'est pour ça. Ah non, c'est parce que j'ai toujours une d'avance, quoi. Ok, pardon, c'est pour ça que je comprenais pas, en fait. Ok, ça marche. Non, j'ai que deux et j'ai ma pompe doseuse, j'ai Bao, mais je.
J'ai la Red Sea parce que je pense qu'elle est pas mal, elle indique ce qui reste dans la bouteille. Mais je l'ai eu la flemme de la brancher parce que j'ai du mal à la connecter, ça m'a cassé les pieds, donc je ne l'ai pas encore connectée. C'est essentiel plus ou pro? Demande. Ça, c'est le plus. Bon, je ne sais D'accord. plus si c'est le plus ou le pro. Il y en a un qui est, il y en a un quand t'es, il y en a un quand tu n'as pas de nitrate du Quand tout. t'es Si tu... oligotrophe, ouais. Ouais, et en fait, celui que je mets là, c'est pour que les... ça remonte un peu. Et j'avais fait le test sur le 500 quand j'étais remonté suite à mes conneries là. J'avais eu un problème, j'étais monté à plus de 15 de phosphate, même 20 de phosphate, de nitrate, pardon. J'étais repassé sur l'autre et ça fait vraiment baisser. Donc en fait, suivant tes nitrates, tu utilises le pro ou l'essentiel plus. Je ne sais plus quel c'est, je ne sais plus quel D'accord. gel là, mais voilà. Toi, Il y a une Yannick, c'est différence. le BX Ventus, hein, c'est ça? Oui, c'est les Zoanthus carbonate et je complète avec les oligo ATI. D'accord, ouais, c'est ça. Oui, mais toi, tu as carbonate, tu as magnésium et calcium, c'est ça? Il y a carbonate, calcium et sel sans sel. Ouais. C'est le sans-sel, ouais, d'accord. Okay. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, Bah, on c'est met propre, hein. l'essentiel. Photo Ah, c'est d'après. bravo. Bah tiens, ça c'était Romain qui m'a dit de faire une petite vidéo pour montrer un peu où l'eau arrive et enfin, où elle a aspiré, où elle ressort. Donc je vais mettre ça en route. Vas-y. Ça fonctionne là? Ouais, Ouais. parfait. Ouais, Très donc ça bien. descend par là, le trop-plein, ça descend par là, tac, ça passe dans tous les tuyaux qui vont là et ça va dans la décante. Ça vient ici, du coup, où j'ai mes des roches. Premier compartiment de la roche vivante. Et OK. là, j'ai le. Là, c'est là où j'ai le refuge. Après, là, j'ai bah, l'écumeur. Je ne l'ai pas fait tout à fait dans le bon ordre. Là, il y a le filtre à Charbon. charbon. Alors là, je passe dans l'écumeur, Dans le l'UV. dans l'UV. T'as gros De UV, l'UV. hein? Gros UV, un seul là, Ouais. gros, comme ça? Ouais. Un UV, je redescends dans le charbon et hop, je recrache au niveau de la remontée. Ok. Voilà. Combien de Ton. watts l'UV? Ouais, vas-y. 75. C'est un UV super fiche, la marque, Ouais, pour on en avait parlé, Laurent, à l'époque, ouais. ouais, parce que j'avais pas reçu l'autre que j'avais commandé, du coup j'en ai deux maintenant, mais bon, bref. Et du coup, là, c'est une grande ampoule entière, un grand, c'est pas les 36, c'est pas 2 x 36, c'est une de 75. Ok. Et Et c'est en alu? l'avantage, alors c'est de l'inox, Inox. et l'intérieur, c'est de l'inox polymiroir, et ils disent que, vu que ça reflète, c'est un peu comme le système de AIM, en fait. Et bah ouais, ils disent la Tu as même chose, quoi. 30% de rendement en plus, soi-disant. Bon, bref, je ne sais rien si c'est Et vrai ou pas, mais en tout cas. ton UV, il est H24, demande quelqu'un. Ouais, bah oui, parce que j'ai eu de la dino et donc je me suis acheté un petit microscope. J'ai regardé, c'était celle avec les petits. Le haut, je ne rappelle jamais les noms, là, haut, enfin celle qui tourne en rond, là. Donc, fallait Ostéo, la je sais pas traiter. quoi, là. Je sais pas ce qu'en Donc. pensent les gens sur l'histoire de l'inox, là, des UV. Je sais pas ce que t'en penses, Yannick, mais l'eau, elle passe tellement, entre guillemets, assez quand même un peu vite. Je vois pas comment tu peux augmenter le rendement de 30% sur Ah ces trucs, oui, tu c'est vois. ce qu'ils disent, hein. C'est pour Moi, ça que je te dis, j'en sais rien. j'y crois moyennement. Peut-être que Non, mais en ça fait, augmente un petit peu. ça Peut-être que fait ça augmente un petit déflecteur. peu. Mais je pense. Ouais, Non, mais voilà, ça fait c'est déflecteur. un Mais argument commercial, je oui, pense. voilà, c'est l'argument commercial premier Ouais. Ouais, bah, du coup, je le répète. Le charbon Mais t'as raison. se situe dans un filtre fluidisé en sortie d'UV. Ouais, je voulais me le fabriquer parce qu'il y a des trucs, ça me fait chier de les acheter alors que c'est juste un tube en plexi. Mais comme il y avait un peu d'urgence à traiter mes dinos parce que je rentrais de 3 semaines de congé et j'étais limite du crash quand je suis rentré. Et donc j'ai été en acheter un. Voilà. Mais c'est bidon en fait, hein, ça rentre, enfin, vous connaissez le système, hein, ça arrive en dessous, ça ressort en haut. Avec n'importe quel tube PVC, tu t'en fabriques un, quoi. Bien sûr. Donc voilà, j'ai Là, ça ça. descendait donc dans ta partie. Et ton refuge, il fait combien de litres? Il fait 100 litres, à peu près. Donc tu es encore à 10% du volume à peu près, Ouais, j'ai ça te essayé de va, respecter ça tout à fait. c'est Ouais. parfait. Parfait. Top. Franchement, bravo. Et en fait, chaque compartiment, tu vois, là on le voit, là, j'ai pas encore fait les étiquettes, mais j'ai le nombre de litres. Ce qui fait que quand je siphonne, je sais combien je dois préparer d'eau de mer. Tu vois, si j'ai de la merde là-dedans, Ah je ouais, c'est siphonne. vrai que toi, t'es un peu plus, ouais, c'est un peu plus complexe. Ouais, donc, tu as fait tous tes repères par rapport à ton siphonnage, quoi. Là, Ouais, je sais pas si exactement. tu vois, Laurent, la remarque de Thibault, là, de Sarah Vigote.
Ce qui fait peur, c'est que Ouais, l'inox c'est finit ce que. toujours par rouiller. C'est ce que. Ouais, après, normalement, si ce n'est pas des menteurs, l'inox 316, tu peux le laisser 20 ans dans de l'eau de mer ou dans n'importe quoi, jamais il va se corroder. Et c'est censé être de l'inox 316. Donc, moi, d'ici là, j'aurais fait 4 roues de bague, donc ce n'est pas grave. Mais. Bon, bah, rendez-vous dans 20 ans et on en reparle. Bah, de toute façon, tu vas le voir avec ton ICP, hein, Serai pas donc là, moi. s'il y a un Oui, mais. souci, tu le verras sur ton ICP Déjà, éventuellement. c'est l'inox 316 et il y a une espèce d'anodisation, je ne sais plus c'est écrit dessus, je n'aurais pas retenu le nom. Donc, je pense que oui, il y a forcément un risque. Après, de toute façon, je n'avais pas le choix, j'avais vraiment de la dino qui faisait chier, donc je n'avais pas reçu l'autre. J'ai pris celui-là à un magasin côté de chez moi et voilà. Donc, T'as quoi Yannick, toi t'as quoi moi, Jebao, Aquanova, un truc comme ça, non? Non, moi, c'est un Sunsun 2x36 watts. C'est un UV de bassin. Ouais, bah, c'est la même chose que les Jebao, Aquanova, c'est en fait c'est tous la même chose, c'est fabriqué tout au même endroit. Oui, ça se trouve, c'est même fabricant. Ouais. Ouais. C'est le même Toi, t'as qu'à 2x36? Alexandre Burkhardt. Ouais, 2x36, ouais. Ouais, bah moi j'ai 1x36. Il va Ouais, me mais c'est faire ça flipper. Il va me qu'on faire par rapport flipper, au ça volume, rigole bah par là. rapport au volume, on a Ouais, exactement la même chose, hein, franchement. c'est cohérent, ouais. Ouais. Bah moi j'ai écouté, je vous ai écouté, hein. J'ai écouté Yannick hein, sur le nombre de watts. Hein. Bah, ça a En été fait, efficace sur la dino, hein, assez oui. rapidement au final. Ouais, franchement, en 40, ouais, 72 heures, c'est hallucinant. Même la qualité de l'eau, la transparence de l'eau. Alors, je ne sais pas si c'est le charbon. J'ai mis le charbon pour que ça bouffe un peu Ça ce joue. qui. Ouais, voilà, mais franchement, c'est incroyable. L'eau, elle est transparente. J'ai jamais eu une eau comme ça, quoi. Ouais, demain, tout le monde achète des UV. Bon, en tout cas, moi, ça a fonctionné. Vraiment, ça a Bah, fonctionné. moi, ça fait 4 ans que je tourne UV H24. Hein. Je change mes ampoules tous les 6-8 mois. Après, moi, j'étais resté dans l'histoire d'il y a 20 ans en eau douce où on disait l'UV, c'est de la merde parce que ça tue toutes les bactéries et que ça. Donc, j'ai jamais utilisé d'UV, même quand j'ai fait du Discus et tout, parce que j'étais resté sur ce truc-là d'un mec qui m'avait dit ça. Tu changes tes ampoules tous les combien, Yannick, toi? Bah, je les ai Enfin. changés là au bout d'un an, mais en fait, c'est difficile de se rendre compte si les ampoules sont encore Après, c'est noté sur opérationnelles ou l'ampoule. pas. L'ampoule, c'est noté dessus quand même, le nombre d'heures. Hein. Si tu fais le calcul 24 heures, ça tient moins d'un an. Ouais. J'ai fait le calcul, ça fait 10 mois en fait. Au bout de Je 10 mois, crois faut. que si tu fais tirer au max, c'est 10 mois. C'est pour ça que moi, je préfère de les changer pour se sécuriser tous les 8 mois. Oui, c'est sûr, c'est une bonne précaution. Après, si tu le fais pas tourner H24, tu peux tenir un an, Après, même plus, hein. l'ampoule, elle ne coûte pas très cher en plus. Hein. Ouais, c'est 25, 30 balles, 20 balles, 30 je sais balles, plus, je sais plus. Ok, parfait. Et Bien. là, la dernière vidéo, c'est la remontée, en fait. Voilà, la pompe de remontée est là. Bah, tiens, on voit le système. Attends, je vais le remettre. Hop, et du coup, je ressors au milieu, là. En fait, on Et là, voit il y là, a un. ça c'est le système avec la bille, là. Tu sais que je disais tout à l'heure, la bille remonte Ouais, par là. l'Y, on voit bien Voilà. l'Y là pour faire comprendre aux gens la bille part à gauche quand la remontée se déclenche, quoi. Et On a tu peux perdu du Eric. On coup. a perdu Eric. Ah. Et du coup, tu peux nettoyer là, parce que la bille, forcément, il y a des trucs visqueux qui vont se mettre dessus au bout d'un moment, mais ça se démonte là, ça se dévisse là, et tu peux attraper la boule et la nettoyer et la remettre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien foutu leur truc. Ouais, c'est bien foutu, hein. Franchement. Tu l'as commandé chez qui? Alors, aux Pays-Bas, j'ai plus le nom, je pourrais t'envoyer. C'est là où j'ai acheté tous mes robinets. Alors, pas les rouges, là, pas ceux qu'on voit là, ça c'est de la merde en fait. Enfin, c'est de la merde. Ils peuvent se mettre un peu à suinter. Donc, ceux-là, c'est pas grave, c'est sur du soupe, donc je pourrais les changer. Mais tous ceux qui sont qui sont bleus, ils viennent des Pays-Bas. Je sais plus, c'est Interflast, je sais plus le nom du fabricant. À l'occasion, enfin, il n'y a pas d'urgence, mais si tu retrouves le lien du système à billes, fais un petit post sur les groupes, Ouais, comme ça, moi je l'ai, ouais. ça peut en intéresser plus d'un. Parce Parce qu'on que voit pas souvent ce système-là. Ouais. tu peux le monter à l'envers. Oui, bah oui, bien sûr. Donc ça se monte dans ton. Oui, ok, non, c'est bon. Non, non, non. J'allais Tu dire peux une le. Non, connerie. non. J'allais dire une Bah, connerie. non, 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 non. c'est. Non, non, il fonctionne qu'en poussée. Hein. Il ne peut pas Ouais, tirer dans l'autre sens. ouais. Ok.
Il peut fonctionner qu'en remontée. Tu peux pas le mettre dans Tu l'autre peux sens pas sur le une lestée. mettre dans l'autre sens, ouais, c'est pas possible. Ok. Voilà. Et donc du coup, bah voilà, là, ça remonte. Ça remonte là. Ok. Vas-y, tu peux passer. Attends, hop, voilà. Bon, là, c'est les différentes vues de la décante. Alors ton UV, c'est ce que... Ça y est, ça me revient maintenant. On le voit Vous là. pouvez demander à Eric d'arrêter de faire la vaisselle, Non, là? mais l'autre, il fait la vaisselle. Non, mais j'y crois pas. Achète-toi un lave-vaisselle, Eric. Oh. Allez, s'est fait engueuler par sa femme. Ouais, T'as pas fait la Eric, vaisselle avant le live? viens débarrasser la table. Ouais, je te disais, ça y est, ça me revient. Je t'avais dit sur un poste, fais attention Oui. aussi à l'UV qui est installé horizontalement pour pas que tu aies de bulles d'air dedans. Et tu m'avais dit, il y a une petite pente, c'est ça? Ouais, tu vois là, on voit le calage. J'ai utilisé un bout de tuyau. Ma vis, elle passe là-dedans. Ok. Et l'autre côté, je suis quasiment, on ne voit pas, mais l'autre côté, je suis presque collé. Donc il y a une pente en fait de 3-4 cm pour justement que la bulle d'air arrive en haut et pas reste en bas. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il n'en faut pas. Ah bah, il y en a une Faut... petite en Non, haut, parce mais. qu'il y a beaucoup de monde qui mettent des UV tous à l'horizontale et bah ton UV il sert plus à rien, quoi. Enfin, il sert à rien même. Il y a la moitié d'eau qui est pas qui rentre pas dedans, quoi. Enfin, la moitié, j'abuse, hein, mais t'as une bulle d'air tout dans la longueur, quoi. Donc. En fait, ce que je fais quand je l'ai mis en route, je n'ai jamais réteint depuis, je mets à fond. En fait, tu vois, là, je redescends là où il y a le tuyau, la vanne, là. Je mets ma pompe au minimum, c'est une Gebao, je la mets au minimum, et je la bride après par cette sortie-là là, pour avoir à peu près, comme ça, je pense que je dois avoir 600-800 litres heure de passage maximum. Et quand je mets en route, j'ouvre à fond pour que justement ça dégage tout l'air, tu vois. Ouais, Ouais, ok. je fais pareil que toi, Laurent. Et après, bah, de toute façon, on le voit, hein, il n'y a pas de bulle. Hein, il y a juste une bulle ici à la sortie, mais ce qui est logique, je préfère l'avoir là parce que du coup, ça veut dire que le tube est entièrement rempli d'eau, quoi. Ok, parfait. T'as Excusez-moi, c'est de fini la. la vaisselle, Eric? Mais non, mais il s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, il voulait pas redémarrer ce coup-là. Ah merde, t'as mis un coup de quai dedans, c'est reparti, quoi. Exactement. Ça, on Ciel de passe, c'est reprise ma. automatique. Ouais. C'est ma réserve d'eau osmosée là sur le ce qui est là avec j'ai un système avec le tuyau qui pivote pour pouvoir le remplir facilement. Ok. Voilà le reste bah, les dessus de mes couvercles sont en solide surface qui sont au-dessus là il y avait des chutes au boulot donc j'ai utilisé ça pour faire les T'as tout couvert la bah décante, pas quoi. tout mais tu vois il me reste encore celui où il y a les tuyaux à faire là, avec des peignes plus propres parce que là c'est un truc en PVC provisoire faut que Ouais, je c'est fasse un vraiment peu propre. dégueulasse. Moi, j'aurais honte à ta place. Non, mais c'est surtout que ça dégueule un peu le sel, là, ça me fait chier. Ah Et bon. sinon, le reste, c'est des couvercles en solide surface. Et ça, c'est mon refuge, du coup, une partie du refuge. C'est quand même vachement lourd, hein, le solide surface comme truc, hein. Ouais, c'est très lourd. Ouais. C'est super lourd, C'est, je crois que la densité, elle est quasiment identique au verre. bon, moi, j'en sais rien, mais alors moi, le petit nano que j'ai, quand j'ai été livré, mais vite comme ça, mais c'est archi lourd ce truc, hein. Ah, c'est aussi lourd qu'un accommodement vert, c'est sûr. Oh, je dirais plus, moi. Mais je te dirai, je regarderai sur mon tableau de densité de matériaux. Je ne connais Ouais. pas par cœur. T'as Mais beaucoup ça de doit. char... T'as beaucoup de charbon, non? Ou je dis pas de... J'en sais rien. C'est combien C'est le ce 110. filtre? Ce n'est pas le plus gros, c'est De 110 de l'avant-dernier. chez Aquaforest, c'est? Non, c'est quoi? Ouais, d'ailleurs, Ouais. il est merdique, il fuit quand tu l'achètes. Je l'ai modifié, Ah, moi. merde. T'as plus Enfin, il est d'un, t'as merdique. beaucoup plus, t'as beaucoup plus de 1 litre là, quoi. Ah oui, là, j'ai. Je crois qu'il y a 1,5 litre, là. Ok. Et tu le changes tous les combien, ton charbon? Ben, je ne l'ai pas encore changé. Ils disent 4 semaines. Donc, D'accord. j'ai noté au marqueur dessus. Je crois que c'est fin de semaine prochaine que je dois le changer, là. Ok. Donc, Voilà. charbon Ben, le charbon, H. je l'ai mis parce que il est H24, parce qu'il en sortit du V, parce que j'avais mes dinos. Et Ah ouais. que de ce que j'ai lu, c'était super nocif. Donc, fallait le filtrer sur charbon. Après, je ne sais pas si je vais remettre le charbon ou pas, j'en sais rien. Tu verras. Je ne sais pas trop. Enfin, Est-ce que c'est. ça Je doit pense que jouer c'est de... plutôt, je pense que c'est plutôt l'UV qui m'a fait une eau hyper limpide.
plus que le charbon, mais peut-être que le charbon joue aussi, j'en sais rien. Ah, il Je suis joue, hein, trop. il chope les. Quand l'eau devient un peu jaune, le charbon, ça rééclaircit la flotte. Hein. Non, moi, c'est pas la Ouais. couleur de l'eau, c'est j'avais comme plein de micro-particules, si tu veux. Les UV, j'ai l'impression que ça crame tout, quoi. T'as une Ah eau plus oui, limpide. d'accord. Voilà. Ok. Et dans mon refuge, j'ai deux lampes, tu sais, les Refugium, là, Tunes. Refugium Tunes, ouais. Et je vais en rajouter une blanche, une standard normale, pour éclairer un peu plus fort. Ouais. Et Mais je veux pas me mettre de rampe au-dessus parce que je veux que ça soit fermé à cet endroit-là pour essayer de limiter l'évaporation, parce que j'en ai quand même beaucoup. peut-être. Je suis à plus de 10%, hein, je suis à 16 ou 17 litres jour. Donc, T'as ah dit oui, c'est énorme. tout à l'heure, t'as dit que t'avais 160 litres de osmosée et tu tenais Ouais, combien de temps? 15 jours? Non, 10, 12, 12 jours. Parce que tu Ouais. remplis jamais jusqu'au-dessus. Donc, mais j'ai fait le calcul, je suis à 16 litres jour Mais d'évaporation. 16 litres jour, c'est énorme. Moi, je suis Ouais, à mais 10 j'ai un. litres jour. Moi Ouais, mais j'ai aussi. un. Ouais, mais toi, déjà, dans ton sous-sol, il fait moins chaud, je pense. Et moi, la problématique, c'est comme j'ai un chauffage au sol, Ah oui. en dessous, Ah oui, ça. Ouais, c'est ok. hyper chaud. Pourtant, c'est ouvert. Hein. Bah, Ah là où il y a mon charbon, là, c'est ouvert. Hein. Je devais fermer, là, je l'ai laissé ouvert. Hein. Et des ouais, deux pour que ça côtés, donc. respire, ouais. Ouais, enfin, je voulais mettre des tôles, j'ai pas fini, mais je vais le laisser ouvert parce que du coup, j'aime bien. Ça me permet de voir un peu l'intérieur, comme c'est propre, c'est joli. Mais même comme ça, il fait chaud dedans, très très chaud. Avec les pompes de closed loop aussi, ça chauffe, mine de rien. Avec tout le bordel là, toute l'usine à gaz, du coup, j'ai beaucoup d'évaporation. Moi, je suis à 6 litres hiver par jour et été 10 litres. Moi, la réserve de 15 litres, elle me tient un mois et demi. Combien tu fais, t'as dit Yannick? 10 litres jour. Hiver, Donc été, j'ai. pareil? Ouais, j'ai pas une grosse. Oui, parce qu'en fait, j'ai un groupe froid pour refroidir l'été. J'ai pas de ventilo, bah, vu le volume. Enfin, la surface de l'eau. Donc, et j'ai une réserve de 200 litres, ce qui fait que je tiens à peu près 3 semaines. Ok, cool. Et je m'attendais Bah à beaucoup plus. Hein. Je m'attendais à. En ouais, c'est ce que général, j'allais dire. Hein. on se base sur 1% du volume. Donc, allez, bah, de 2000 litres, je m'attendais à 20 litres évaporés par jour. Donc ça, c'était la bonne surprise, ouais. Moi, hiver, je suis entre 5 et 7, on va dire, pas tout à fait. Et été, bah, tout dépend les jours, hein, mais s'il y a la clim à fond, avec les ventilos à fond, c'est 10 litres par jour. Ah oui, avec les ventilos, ça Hein. évapore Moi, ça beaucoup. va être l'inverse. Moi, l'été, je vais moins. Parce que là où Tu je vas, suis, en ouais, fait. avec le chauffage que tu as dessous, ouais, Ouais. tu vas moins Ouais, ouais. évaporer, quoi. Ok, Ok, parfait. Bah, parfait. vas-y. Vas-y, vas-y. Ah oui, ça c'était, on m'avait posé des questions sur le brassage. Du coup, bah, j'ai dû rajouter quand même du brassage, j'en avais pas assez. Donc j'ai installé deux WL30, là, les GBAO, là, Ah, les Gébao, pardon, oui. Ouais. que j'ai modifié pour les fixer sur le tube directement. J'ai fait passer le fil dans le tube. Je ne sais pas si on voit là, dans le tube de l'oscillateur. Donc le D'accord. tube, c'est pour que ça Ouais, donc c'est soit. discret du coup. Voilà, c'est plus discret. Et voilà, bah, c'est l'oscillateur, hein, l'extraordinaire. Hein. Les deux contrôleurs sont ici, l'oscillateur est là. Comme ça, quand j'ouvre, je peux régler, Donc ça, faire mes réglages. c'était les oscillateurs de Neo 3 Plus. C'est ça. Alors, c'est les nouveaux qu'il avait sortis. Je pense qu'il a dû en vendre entre 5 et 10. J'ai les deux premiers parce que je les avais réservés. Il m'a dit, attends, je suis en fabrique, comme j'étais en contact avec lui aussi sur les débordements, là. Je pense que c'est pareil, les débordements, c'est les nouveaux. Je pense que je suis le seul à les avoir eu par chance parce que le pauvre est décédé après, quoi. Ouais, Sur la super. Ouais, photo de gauche, je précise, c'est pas des fils électriques, le rouge, hein, c'est un dessin pour montrer le contrôleur et les deux oscillateurs. Chez Laurent, oui, c'est un il n'y a dessin. pas de fil qui traîne comme ça. Non. Mais ces modèles d'oscillateurs, effectivement, moi je les avais Ouais. jamais vus. Hein. Il Non, ne doit moi pas y non avoir plus. grand monde qui en Ouais. a comme ça. Hein. Parce Et que ils sont toi. bien parce que tu peux les mettre dans les deux sens. Tu vois, là, je peux le mettre comme ça. Et si tu as un renfort sur ton bac, Si, tu eh le ouais. tournes et tu peux le fixer. C'est vachement bien foutu son système. Mais les anciens oscillateurs avaient la même capacité de se fixer verticalement ou horizontalement. Ceux-là, ils sont faits en impression 3D. Hein.
Et t'as le cerveau qui est juste là à l'intérieur. Ouais, ok. Ouais, bon, ok, parfait. Et ça, normalement, j'avais prévu de pas faire comme ça. Il devait être avec un système d'aimant. J'avais collé un énorme aimant là-haut qui devait être là-haut. Et le tube descendait comme ça, j'avais pas de fil, tout passait par le haut, sauf que c'était pas au point mon truc. En fait, la tige était trop longue entre l'oscillateur et j'ai essayé entre l'oscillateur et la pompe. Et du coup, le cerveau n'est pas assez fort, ça fait un bras en fait, Ouais, et il n'y ça a pas assez bouge. de force. Ça Il n'y a pas bouge assez de trop. force. Voilà, exactement. Donc finalement, je suis revenu. Donc, si J'ai c'est un comme peu ça. modifié le système et pour pas avoir toutes les pattes de fixation énormes, en fait, je suis directement collé. J'ai une photo, après, on verra. Avec un risque, un truc bien basique, mais ça marche Si très tu mets bien. la pompe à fond, après, si le plafonnier il se met à tourner sur lui-même, t'es pas dans la merde. C'est ça. Non, mais c'est le cerveau qui avait pas assez de puissance, en fait, Ouais. pour faire osciller la pompe, quoi. Ok, Voilà. parfait, cool. Ça c'est mon bac qui est en dessous que j'ai relié là. C'est un Max Nano du coup que j'ai percé, pareil pour le relier à la décante, pour faire un petit bac essai bouture. Et j'ai fait en sorte que les branches du décor se décrochent pour pouvoir aller coller les boutures sur ta table quoi. Et pareil le système de la là j'ai une W20 la GBAO, on voit un peu mieux le système là. Pareil, qui est sur un tube, qui a un aimant, comme ça je le fixe le support de mon bac, et comme ça je peux le mettre où je veux. Sans avoir l'aimant dedans, l'idée c'est de ne pas avoir d'aimant qui soit sur la vitre pour pouvoir passer le nettoyage sans avoir à démonter les pompes, parce que c'est relou à chaque fois. Laurent, est-ce que tu connais les références des cerveaux des oscillateurs? Parce que là, il y a Anthony qui a des oscillateurs, pareil, il demande, les cerveaux sont morts et il ne sait pas quel est Ouais, le modèle. en fait, c'est de la merde les cerveaux. Je pense que les cerveaux qu'ils mettaient dedans, c'était pas des flûtes à bas, c'est une autre marque. Et oui, je pourrais lui donner. Et en fait, j'en ai un aussi qui déconne, moi. Donc, j'en ai commandé un dans un truc de modélisme qui De sont étanches. modélisme, ouais, j'allais dire, ouais, c'est. Ouais, donc Anthony t'envoie un message à Laurent bah, quand tu auras le temps et il Y a aussi un te collègue qui m'avait donnera. envoyé en Allemagne, ils en vendent des oscillateurs apparemment. Je sais Après, pas. les cerveaux, là, on peut les acheter il y a un truc de modélisme en Chine, là, ça vaut que dalle et ils sont étanches en plus. Et les engrenages, ils sont en métal dedans. Donc, moi, je vais monter ceux-là. J'attends que l'autre crame et je vais changer les deux en même temps. Bah, fabrique-en un, fais un tuto, et puis après tu nous l'envoies. Hein. Voilà. Ça, c'est donc le pompe de, enfin le petit bac de bouture et d'essai qui est relié à la décante. Celui-là, il tourne depuis 15 jours seulement. Donc, il Ouais. n'est pas encore renvoyé, il y a plein d'algues marron dedans, il n'est pas encore Stable. bien démarré. Non, c'est pas ça. Pourtant, c'est relié, Là, mais j'ai pas un retour. mais dès que tu mets un éclairage dans un système totalement, de toute façon, il n'y a rien du Non, tout, mais il est donc relié à la décante quand même, hein. oui, je sais, mais même. Mais j'ai un turnover merdique, j'ai percé qu'en 30 ans. Enfin, j'ai pas, je dois avoir 500 litres sur les 100 litres qu'il y a dedans, quoi. Donc, c'est pas un gros turnover. Là, il y a Hervé Villemer qui dit que Jean-Marc, il faisait faire les cerveaux sur mesure pour lui. Mais bon, je pense qu'on doit pouvoir trouver des trucs de la même dimension, hein. Ouais, j'en ai commandé un là, justement, sur son site, parce qu'on arrive encore à commander des choses pour voir exactement le modèle que c'est, parce que c'est un truc à 15 balles. Et il y a les mêmes dimensions en étanche de chez E-Tech, donc je lui enverrai le lien. Oui, pour info, sur son site, tout ce qui est en stock, est encore commandable. Ah ouais, ça marcherait bien, moi j'ai commandé plein de trucs là, hein, Ouais. récemment. Moi aussi, j'avais fait un stock de résine dionysante. Donc voilà, après je sais plus ce que j'ai. Bah ça c'est le bac en eau, voilà. Donc le bac, il a exactement là. Donc tu as dit novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. Non, je l'ai transféré le 26 décembre. Donc 2 mois. Non, trois. Trois. Bon, allez, On est deux, trois. en mars. Mais c'est pas compté, Romain. C'est Non, un mais emballing. il y a le décalage T'as horaire dit avec le système. 26 décembre, janvier, février, mars. Mais Donc ça deux fait mois et trois demi. mois. Trois. Bon, pas longtemps en tous les cas. Ouais, pas Voilà. longtemps, 2 mois et demi. Pour mettre tout le monde d'accord. Superbe. Voilà.
Super. Une belle réalisation, bravo. Ouais, vraiment encore Voilà, un beau bac. on les voit les hydras là, Romain. Voilà. Donc là, tu as pris réglage à Yaya, j'imagine? Non, je l'ai modifié. Non, j'ai voulu faire un peu à ma sauce, j'ai fait style. Non, je l'ai un peu modifié. Je Ok. suis là d'ailleurs, il n'est pas encore à fond parce que quand j'ai eu ma dyno, j'ai un peu diminué mon truc. Je suis encore à jouer à 80%. Tu sais, j'ai fait l'acclimatation là pour monter progressivement. Mais j'ai pris un réglage qui ressemble à celui de Yannick, ouais. Bah remarque, Effectivement. t'as peut-être pas tort, Après, ouais, bah enfin. ça a l'air de marcher. Bon, après, je pense que chacun a son truc. Oui, Voilà, et quoi. puis enfin, les Non, réglages mais sont tellement spécifiques à chaque bac, à chaque hauteur, à chaque population que enfin, puis ça, c'est des 32 faut et se méfier de dire, ah, passe-moi ton preset, j'installe chez moi, et puis en pensant que ça va oui, rouler. alors Enfin, en plus, moi, ça peut être le piège, ça. Hein. je suis plus haut que la normale. Les spots, ils sont plus hauts du niveau de l'eau que la normale. Mais je suis moins haut en hauteur d'eau. J'ai que 52 cm d'hauteur d'eau, enfin 47 même. Donc j'éclaire plus large. Donc c'est pareil, ça aussi, ça joue hein, par rapport à la hauteur du spot. Je pense que tu ne fais pas tes réglages pareils, quoi. De toute façon, Façon, il faut tu faire le ses vois. réglages avec un paramètre. Hein. Il n'y a pas de secret. Ouais, et Hein. puis tu le vois sur les animaux aussi, hein, je veux dire. Tout à fait. Je Bon, suis moi, j'ai pas fait complètement avec d'accord. paramètre. Moi, j'ai pas fait avec paramètre. Ce sera la prochaine étape. Mais bon, Donc en là, ils tout cas, sont. je Tu as fais. dit, elles sont à combien de centimètres de l'eau? Oh, je sais plus, je ne me rappelle plus par cœur. Je ne sais plus, À mais peu près, sur ton bac, il fait 50, 47, donc tu es à peu près pareil. je suis à 30. Je crois que je Ah suis à bon? 38. La lentille, elle est à 38 de l'eau, 40. Voilà. Ouais, donc Mais t'es... par contre, voilà, pour respecter quand même un peu les animaux, au-dessus des accros là, qui viennent de chez Yannick, j'en ai toujours deux en fait. Ils sont. Bah là, t'as le... J'éclaire plus aux endroits où il y a besoin d'éclairer, quoi, en fait. Voilà. Ouais, sur le Formosa, là, de Yannick. Je Sur les reconnais deux bien ma Formosa. petite bouture au milieu, là. La petite bouture de 5 cm. Et t'as vu que là où ça avait, ici, là, c'est là où tu avais coupé, t'as vu, c'est bien reparti. Hein. Ouais, c'est nickel, hein. C'est increvable, ça, comme accro. C'est. Oh, j'ai réussi à en tuer, Bon. moi. Et alors, je reviens juste sur les hydras, là. Un petit conseil plus général. Pensez bien à ceux qui ont des hydras, à les dépoussiérer, à les nettoyer avant l'été. C'est la période où il fait chaud, il y a les canicules, les ventilos souvent sont Ouais, sollicités. c'est pour l'avoir fait là quand j'ai déplacé Pensez mon bien à les bac. dépoussiérer. Ouais. C'est de la folie tout ce qu'il y a dedans en fait. Ouais. Un petit L'aspi. pinceau, l'aspirateur, et puis on frotte, on frotte avec le pinceau le ventilo, on aspire en même temps, ça part tout seul. Ça permet d'attaquer la saison où ils sont bien sollicités en étant tranquilles. Tu les démontes à chaque fois quand tu le fais, tu le fais chez du J'enlève bac bio juste la aussi. petite grille, j'enlève juste la petite C'est grille facile, ouais. blanche qu'il y a sur le dessus Ok. et je nettoie direct comme ça. Ouais, non, parce que si je devais tout démonter, je te dis pas Donc le tu enlèves boulot. le petit radiateur et hop, un petit coup d'aspi. Non, c'est un cache qui est au-dessus, en C'est fait. un T'as petit qu'un capot cache qui est qui est au-dessus. au-dessus. Ah, c'est pas comme Ouais. les autres rampes, c'est pas un radiateur, ouais, ok. Non, c'est Tu n'as juste un même pas cache, besoin ouais. d'un tournevis, hein, ça se déclipse, c'est Ah, hyper clair. ouais, tout à Parfait. fait. Ouais. Cool. Et voilà, un petit coup de pinceau et en même temps on aspire, Ok. ça Et part assez facilement. donc juste pour ouais, donc là, Belling ATI, pour le moment, pas de complément d'oligo vu que tu démarres, t'attends ton ICP, c'est ça? Je vais faire mon ICP. Bah là, j'ai pas fait de changement d'eau, mais comme j'ai mis en route mon 100 litres qui est branché sur la décante, ça a remis 100 litres d'eau neuve quand même. Donc c'est un peu comme si j'avais fait un changement d'eau. Je vais faire un ICP et je pense que dans 3 semaines, je vais siphonner ma décante qui a un peu de. Enfin, c'est, en fait, moi, je n'ai pas de filtre, j'ai pas de micro-bague. Ouais. C'est un peu ma Kaito qui retient la merde et ça tombe au fond. C'est ça. Et en fait, là, je pense que dans 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, je vais enlever la Kaito et je vais siphonner ce qu'il y a en dessous et faire mon premier vrai changement d'eau, on va dire. C'est ce que je fais moi tous les sur la Kato, je parle, hein. Tous les 3 4 mois, hein, j'enlève, je siphonne et voilà. Le refuge, je fais en sorte d'être En fait, la je me suis filtration du fabriqué. bac. Ouais, c'est ça. Ça retient vachement bien, en fait. Ça fait tomber Ah, toute c'est la super. sédimentation. Bah, Super. écoute, hein, bravo. Bravo, bravo, bravo. Franchement, magnifique, hein.
Yannick, Bon, il y a encore des trucs à Oui, mais peaufiner. ça, attends, tu te rends compte, La prochaine fois, il deux faudra mois que et tu lui demi, livres les coupures. deux mois et demi le bac, 3 mois, allez, 3 mois, c'est extraordinaire. Ok, tu avais déjà des animaux avant, mais. Non, mais indépendamment de ça, l'installation est magnifique. Bah, Mais tout, 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 la tout. conception est top. Hein, ouais. Très, très beau bac. Super. Génial. Et très belle présentation. Tu nous feras une mise à jour sur la team. Ça marche. Ok. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Il y a des questions? Non, y a plus de, y a pas trop de questions. Non. Je crois que tout le monde est sans voix Le monde et est bouche bée. ébahi. Voilà. Tout le monde est bouche bée. Je mets le Voilà. même bac dans mon salon. Ça va, Ouais. Benji? Voilà. Bientôt, Benji, hein, le même dans le salon, hein. Ouais. Ouais, super, super, super bac. Bah Laurent, merci beaucoup pour Ouais. ta Non, moi, présentation, c'est top. je le mets sur la dernière page. Hein. Merci Romain, merci Eric et merci Yaya. Et spécial dédicace à Ludo qui doit regarder, avec qui on s'écrit régulièrement et qui est devenu un ami, quoi, chez qui une partie du vivant vient de chez lui, qui est là-dedans. Et franchement, sans le récif et sans les. J'ai eu de la chance que je suis tombé vite fait sur la première bouture que j'ai achetée, c'était chez Yannick, donc j'ai été chez le bon dès le départ. Et Romain après qui me sur son le team brief aussi et il y a plein de trucs où je savais pas quoi faire et ils m'ont bien sauvé et entre autres Voilà. Yannick et Ludo là sur mon retour de congé là où je suis parti 3 semaines après avoir démarré le bac, c'était un peu risqué mais bon où j'étais limite du crash quoi parce que Alors, j'avais on n'allait pas te laisser comme ça, Laurent, t'inquiète. ouais. Donc voilà, ils m'ont bien soutenu, Ludo aussi, ils m'ont appelé, ils me demandaient comment ça allait et tout, enfin bon, ça a été top. Et ça c'est cool parce que, en fait, ça tient à rien, quoi. Je pense que demain je peux cracher, je pense. Enfin, Mais c'est jamais gagné. J'ai tout le monde peut cracher l'impression que demain. c'est jamais gagné, en fait, quoi. Tu, à Mais chaque fois que tu faut, crois que faut c'est bon. rester. Moi, j'ai toujours considéré que c'était miraculeux d'avoir des bacs et des coraux qui poussent. Mais une fois que tu as ta maintenance, ton truc et que ça tourne, eh ben, faut en profiter, il faut continuer la maintenance, être Ouais, rigoureux. après, faut pas, je pense qu'il ne faut pas écouter tout le monde, parce que tout le monde a sa sauce. Mais malgré tout, en tout cas, je trouve que la sauce de Romain et de Yaya, elle se relie quand même, tu vois. C'est de la bonne mayonnaise. Ouais. Faire Voilà, attention c'était à les tout bons conseils, ce quoi. qu'on peut lire sur les groupes, faire attention à Ça pas tout dépend. mélanger. Ça dépend quel groupe. Bah, le récif, on peut bien sûr y aller les yeux fermés, hein, mais De même que le Team quand. Reef. Comparé à la team où il n'y a que des conneries. Hein. Non, 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 voilà. non, mais ouais, il faut. En tout cas, je pense que. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis tenu qu'à une seule type de maintenance. C'est de la même logique. C'est-à-dire que Romain, Yannick et Eric, vous avez la même logique. Après, je ne dis pas que les autres ne fonctionnent pas, hein, mais il faut pas mélanger les logiques de chacun, sinon tu fais de la On n'est pas merde. tout à fait pareil, mais on est dans le même esprit en fait. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc, on peut utiliser. Il y a plusieurs méthodes qui fonctionnent, mais on aurait. Tout en étant dans le même esprit, et bah, ça fonctionne de toute façon. Moi, j'ai démarré le récifal, j'ai craché. Hein. Donc voilà, c'est tout le monde, c'est compliqué. Hein. Quand tu n'as personne pour t'aiguiller et tu démarres, c'est compliqué. Hein. Ouais, Sauf différence que. entre Yaya et Laurent, il y a du sable dans l'un, il n'y a pas de sable dans l'autre. Ah oui, c'est vrai, tiens. J'avais Moi, pas j'ai pas de pensé. sable. Parce que. Ça me fait flipper parce que je pense qu'il y a plein de merde dedans. J'ai pas le niveau pour. Je pense qu'il faut. J'ai pas le niveau pour avoir du sable encore. Et c'est plus facile de brasser quand t'as pas de sable. Tu peux brasser plus comme un cochon. Nettoyer, c'est plus facile. Maintenant, c'est vrai qu'un bac avec du Faut... sable, c'est plus joli, quoi. faut Ouais. gérer et je pense qu'il faut une bonne armée comme Yannick, je pense, hein. Ouais. Yannick. Il y a encore Thibaut qui sort une connerie comme d'habitude. Les cheveux, la Ouais, différence. je fais comme si j'avais pas vu le commentaire de Ouais. Thibaut. Je Et l'ai pas vu. j'ai vu ton Je suis petit. sous un tunnel, D'ailleurs, je capte pas bien. j'ai vu Yannick, ton. ton sable, tu J'étais le. retenu de te marrer, j'ai vu. Tu as une maîtrise de toi, Yannick, qui est exceptionnelle. Yannick, t'as une grosse armée de détritivores dans le bac. Oui. Ouais, voilà. Donc en Bah, fait, il. Holoturi, Acaster typicus, Mais t'en oursin as combien? dollar. 10, 20, j'en sais rien, 5? Ah bah, des oursins, il doit y en avoir, Non, ouais, peut-être. des arcasters, par exemple, qui vont Bah, bien des murer le arcasters, sable. ouais, il y en a, je sais pas, il doit y en avoir peut-être 7 ou 8. Oui, Des voilà. oursins, il doit y en avoir 4 ou 5.
Des J'ai une question strombus, sur il peut... les oursins, là. Les oursins, Oui. ils broutent là, enfin, ils nettoient un peu ils font quoi les oursins Non, précisément? les oursins, ils remuent le sable et ils le décompactent, en gros. Les dollars, tu parles? Ouais, les dollars, ouais. Ouais, le Donc globulus. si t'as pas de sable, t'as pas besoin Un d'oursins, globulus, quoi. il va te manger de la coralline. Le globulus, c'est pas un oursin qui s'occupe du sable. Il bouffe la Non, coralline sur il les peut cailloux. t'aider un petit peu avec des filamenteuses. Ouais, c'est ça. Mais Mais non, mais sinon, il bouffera en rien. détritivore spécial sable, après, ouais, il y a les strombus, les nazarius. Ouais, les Enfin, voilà, Nazarius. Et les Nazarius font mettre en pagaille, hein, parce que Ouais. pas bien gros, Les hein. moins, les Dolopuri. escargots, ils tiennent pas, moi. Enfin, ils se cassent la gueule, je pense, et ils se remettent pas. Mais Ça, c'est peut-être parce que qu'ils ont. t'as pas de Voilà. sable aussi, ouais. Et nourrissage surtout. S'ils n'ont rien à bouffer, il n'y a pas d'algues. Et si au démarrage, tu avais de la cyano, bah tu les as butés. Ils se sont flingués tout seuls. C'est du poison pour eux. Ouais, y a ça, et puis les escargots, des fois, c'est con. Ça tombe, ça sait pas se remettre Oui. sur à l'endroit. C'est trop con, un Ah, escargot. c'est parce que tu penses que c'est parce qu'il n'y a pas de sable, c'est pour ça qu'ils se Ah, remettent pas. ça peut jouer, ouais, quand il tombe à l'envers sur une cuve nue. Moi, j'ai remarqué que. Après, ça dépend peut-être des variétés, entre Trochus, Astrea ou autre, mais j'avais les mêmes problèmes avec des escargots. Moi, j'en ai, c'est vrai que ouais, c'est trop compliqué à savoir combien j'ai. Quand j'ai démarré le bac, j'en ai mis une quarantaine, je crois, un truc comme ça. Je sais pas s'il en reste 20 au bout d'un an, au bout d'un an, quoi. Ouais, Pourquoi? moi j'en ai mis 20, il doit m'en rester 5 là. Toute façon, le bon indicateur, c'est est-ce qu'il y a des algues? S'il n'y C'est a pas ça. d'algues, c'est qu'il y a assez d'herbivores, de poissons, de chirurgiens. C'est S'il y a ça. Le des algues, chirurgien, il tue. c'est qu'on peut en rajouter. Tout est question d'équilibre en fait, hein, il faut observer. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux en mettre un peu plus au démarrage et puis voir. Alors, c'est sûr, les gens ils vont dire, ouais, mais c'est pour faire crever les animaux. Non, c'est pas ça, mais vaut mieux en mettre une quinzaine et puis voir si tu les tiens. Puis si à la fin il en restera 5, bah, il en restera 5. Puis ils vont. C'est peut-être aussi parce que les autres n'ont pas réussi à trouver tout simplement leur nourriture et que bah, pas assez à bouffer, ils ont crevé, quoi. Hein. Après, sable ou pas sable pour des trocuches, des machins, bon, je pense pas que ça joue tellement. Comparé à des Nazarus, par exemple, où là tu es complètement obligé d'avoir du sable. Hein. Oui, et puis il faut pas les introduire, enfin faut les mettre au bon moment parce qu'il faut pas les mettre trop tôt parce qu'il faut qu'ils trouvent de quoi manger. Ouais. Et il faut les mettre au moment où ils vont avoir de quoi s'alimenter, donc je sais pas, il faut Faut pas attendre peut-être que tu aies la un mois ou deux. dino. Ouais, voilà. Si tu démarres, tu mets. Ils ont que de la dino, de la cyano, des trucs dégueulasses à bouffer. Bon. Ouais, C'est pas pas terrible. l'idéal, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est Bon. compliqué. Peut-être en rajouter par la suite et puis voir si tu arrives à les maintenir un peu mieux. Enfin bon. Ok, super. Ok. Bah écoutez, merci bien. La vidéo Merci à toi. sera. Non, mais merci à vous surtout. La Merci à vous vidéo, trois. merci à Merci tout le à monde. vous. Ouais. La vidéo sera, comme d'hab, sur le YouTube du Récif. Prochain live, en principe, c'est lundi 1er avril avec Guillaume de Marinome, spécial Acropora. Hein, je l'ai annoncé ce matin. Et puis, il y en aura peut-être un autre entre les deux, entre la semaine prochaine. Enfin, on voit ce qu'on fait. Allez, bonne nuit, bonne soirée. Allez, bonne fin de Merci soirée à Yannick, merci tous. Romain, merci Laurent. Merci. Et Bah, merci à à vous. très bientôt. Salut. Merci, ciao, ciao tout le monde. Ciao, salut. Ciao. Salut.